Salut la team, on est en direct sur Wina, un clutch un petit peu particulier, c'est jeudi soir, il est 19h, on n'a pas l'habitude de se retrouver à cette heure-ci. Pourquoi Parce que c'est la Trade Deadline NBA, le dernier soir des transferts en NBA. On a deux heures d'antenne devant nous à vous faire vivre ça en direct jusqu'à 21h, l'heure limite pour transférer des joueurs en NBA. Vous vivrez tout en direct avec nous et toute la First Team qui va nous accompagner. Alors, une partie de la First Team, je vous le présente, c'est la première fois qu'on l'a avec nous en plateau aujourd'hui. Et je suis ravi de vous présenter un pote de la famille First Team, un pote à moi aussi depuis bien longtemps, un mec qui a un CV basket long comme le bras. Je vous présente Thomas Laroukis. Salut, bah, Tom. Merci pour cette présentation. Ça change d'air. En tout cas, très, très content d'être là avec toi pour parler de ces trades. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Ah ouais, ils sont bien énervés tous aujourd'hui. Donc Thomas, qui sera avec nous pendant ces deux heures, on est ravi de t'accueillir dans la famille euh, Clutch Tom. Et puis on sera quand même en direct euh, avec une partie historique de la First Team. Live from New York City, mister Erwan Abotret est en direct avec nous. Comment ça va Erwan Mais Écoute, ça va très bien. Je suis presque un peu jaloux de de la présentation que tu fais de, de moi par rapport à le Thomas Laroukis. Mais Thomas, <laughs> tu sais que quand je te présente un petit peu méchamment, c'est que ce n'est que de la jalousie. Mais, mais je sais, Erwan, des je des sais. L'amour la vache entre les deux. Euh, Erwan, ça va à New York Vous kiffez les copains, là, ça se passe bien Ouais, on, on kiffe. Déjà, on a beau temps, donc ça, c'est toujours une donnée importante quand on est en février à, à New York. Et puis, on a vu euh, et puis on a vu un match plutôt cool face euh, entre les Knicks et les Grizzlies. Et puis donc on a pu parler nous avec Evan il y a deux jours pour donc euh, ce qui a été son dernier match avec avec la tunique des Knicks. Donc euh, donc voilà on était là, on a pu on a pu avoir ses derniers mots en tant que Knicks. Donc on est on est plutôt content. Et ce soir on va voir euh, on va voir euh, Dallas avec le retour de Kyrie Irving et de euh, qui, qui cartonne depuis deux matchs. Et puis euh, avec euh, Doncic au Garden. Voilà, on n'est pas les plus malheureux, le père Reverche hein. Malheureux les copains en effet. Bon, on prendra le temps de toute façon de discuter un petit peu de tout ça tranquillement. Je vous l'ai dit, on a deux heures d'antenne devant nous pour euh, présenter un petit peu tout ce qui se passe. Je vous explique le programme de cette soirée. Il y a un son particulier, les copains en régie. Quand vous entendrez ce son, est-ce qu'on l'a C'est qu'il se passe un truc en NBA, un transfert est en cours. On partira en live dessus et on vous annonce bien sûr toutes les dernières infos en direct. Là, pour l'instant, tout de suite à 19 h euh, quelle heure il est 19h07 heure française. Il est donc euh, moins 6 13h06. 7 heures de New York, euh, on a encore 1h50 avant que ça se termine les transferts en NBA. Et Tom vous l'a dit, il s'est passé un milliard de trucs depuis 2-3 heures. Ils se sont tous excités en NBA. On va se faire un petit récap, Tom, si ça te va, de tout ce qui s'est passé. Et je vous propose de commencer par ce qui euh, nous intéresse nous directement, ce dont Erwan vient de vous parler à l'instant. Evan Fournier est donc officiellement transféré des New York Knicks. Ça y est, il est libéré, notre Evan Fournier. Il partira direction Détroit. Les Pistons qui ont montré un, monté pardon, un trade avec euh, cette équipe de New York. Et vous le voyez centré autour d'un très gros joueur. Enfin, moi, je trouve que c'est un très gros joueur. C'est Boyan Bogdanovic et Dalek Burks. Evan Fournier, notamment, fait le, le chemin inverse. Euh, Tom, premier mot déjà sur euh, ton avis. Evan Fournier, qui est libéré de New York, j'imagine qu'on euh, est tous contents de voir ça, nous, en tout cas. Bah, le mot qui me vient, c'est enfin. Ils ont libéré notre Evan national. Voilà, depuis le temps qu'il joue plus, euh, je pense que c'était une situation très difficile pour lui. Et là, il atterrit dans une franchise. Bon, certes, c'est pas très glamour, mais bon, il va chez le dernier. Il va y avoir du temps de jeu. Il va pouvoir, j'espère. Retrouver des minutes avant, bien sûr, les JO et l'équipe de France. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour lui. Ouais, on, est, on avait tous hâte de le voir, euh, voir bouger. Alors forcément, pas, 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 pas nécessairement à Détroit. D'ailleurs, on n'est pas sûr, sûr que, que Détroit non, le garde on encore. on n'est pas sûr. Hein. Pas sûr. Euh, ça peut bouger. Toi, tu le vois, euh, ça discute beaucoup. Euh, c'est hyper fluide. Hein. Des choses viennent de se passer il y a une heure et demie, deux heures. Je pense que les téléphones chauffent euh, fort. Est-ce que tu imagines la situation d'un buy-out où Détroit le libérerait je ne sais pas trop, Détroit, c'est dur à, à lire. Ils ont beaucoup de jeunes, voilà, ils sont dans une reconstruction totale, c'est un échec pour l'instant, ils sont derniers de la ligue. Mmh. Maintenant, à voir, est-ce qu'ils veulent aussi s'entourer de vétérans qui peuvent apporter aussi et encadrer les jeunes Ça, c'est la question que je me pose. Je pense que ça peut être une bonne solution aussi d'Evan de, Fournier pour accompagner un peu ce roster. Après, s'il n'a pas été. Transféré avant New York, est-ce que quelqu'un va vouloir, euh, comme tu dis, le buy-out, ça, ça peut être la seule chose intéressante pour, pour Evan Moi, j'ai quand même l'impression que si Détroit ne compte pas sur lui et qu'il lui donne son buy-out, c'est-à-dire qu'il négocie une fin de contrat avec lui en lui donnant son argent sur ces trois mois de saison régulière restant, j'ai l'impression qu'après, il devient disponible ouais. pour un, pour un coût minime, qui qu pourrait intéresser beaucoup d'équipes. Euh, surtout, il pourrait intéresser peut-être des, des équipes duo, des, voilà, des, cont des contenders, et là, ça deviendrait vraiment intéressant pour lui. Donc c'est sûr, ça serait la situation idéale, le buyout pour lui, comme ça, et comme tu l'as dit, il pourrait signer au salaire minimum. Bon, on l'espère. Après, est-ce qu'il est content d'atterrir à Détroit J'en suis pas persuadé. Je pense qu'il est juste content de partir. Enfin, ouais, J'imagine, je vais pas parler ouais, pour lui, mais, pense, mais content ouais. de sortir de cette situation de merde qu'il avait à New York. On va pas se mentir. Bah tiens, à New York, on va y partir. Et tu t'es là-bas, es sur place. Euh, est-ce que, comment tu sens le truc Comment tu as vécu déjà stride et Vanne Fournier, toi Et puis, puis la question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que tu penses que Détroit va le garder il y a plusieurs étapes euh, déjà sur, sur l'annonce du trade d'Evan Fournier. C'est d'abord, et on est tous unanimes là-dessus, c'est de se dire qu'on est content. On est content vraiment. On savait que c'était qu'il avait plus d'avenir pour lui euh, chez les Knicks. Il était vraiment, vraiment plus utilisé euh, par Tom Thibodeau. Tu l'as dit en début d'émission, Rémi. Il a, il a joué trois fois cette saison, quand même indigne pour un joueur qui, a, qui tournait à quasiment 20 points il y a pas si longtemps que ça avec le Orlando Magic. Euh, donc déjà, c'est la satisfaction de le voir quitter cette, ce, ce projet dans lequel il, il n'avait plus de, plus de place. Maintenant, voilà la, 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 la deuxième étape, c'est de se dire, ok, il a atterri à Détroit, la pire équipe de la ligue, dans un dans un projet qui où, où il y a oui effectivement beaucoup de jeunes, un nouveau coach qui est arrivé, mais qui oh, on a du mal à voir les pièces un petit peu s'embriquer. Euh, moi, j'ai du mal à croire à la théorie du, du grand frère, à la théorie du, du vétéran qui va pouvoir parler aux jeunes. Evan, il n'a pas joué depuis un an. Evan, il a envie de jouer. Et je suis pas sûr qu'il soit qu'il soit dans ce dans ce, dans cette euh, démarche de dire tiens, je vais peut-être euh, aider euh, les jeunes à construire, à, 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 les, à les accompagner un petit peu sur, leur, sur les premières années de leur carrière. Evan, il est joué dans six mois, il a envie de jouer, il a envie de mettre des grands pantons il a envie de remettre 15-20 points dans des matchs. Donc, euh, pour moi, euh, c'est bien qu'il soit parti des Il arrive à Détroit c'est la pire équipe de la ligue. Thomas l'a Thomas a dit. J'espère, moi, je prie vraiment pour qu'il lui file un buyout et qu'il qu aille ailleurs dans une équipe euh, dans une équipe contender. Voilà, c'est un shooter. Je vous, je ne vous apprends pas que. Quand NBA aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui manquent de shooters et de mecs qui mettent des grandes filoches sur des tirs ouverts. J'espère que, 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 le, que les Pistons se, le, le libérant d'un buy-out. Avec un buy-out. Bah écoute, on, va, on va suivre ça. Bien sûr, si d'ici deux heures on a des infos, on vous les donnera. J'imagine, je vous le répète, que les téléphones doivent chauffer fort en ce moment autour de, du cas d'Evan Fournier. Euh, en tout cas, voilà, il est désormais plus membre des New York Knicks. C'est la première info de cette soirée. Il fait partie à l'heure où je vous parle. Des, euh, des trois Pistons. Euh, on continue sur ce trade-là, tant qu'à faire, <coughs> euh, Thomas, parce que de l'autre côté, euh, bah, il, Ivan ne va pas se mentir, nous, ça nous intéresse parce qu'on est français, mais c'est pas la pièce centrale de ce trade-là. Euh, la pièce centrale de ce trade-là, elle arrive à New York, c'est Boyan Bogdanovic. Alec Burks aussi, on peut peut-être en parler d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait New York On a l'impression qu'ils font un joli coup. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils font un joli coup, là. Ah, C'est un énorme coup. Ils perdent pas grand-chose en retour. Et ils récupèrent, alors, Alec Burks, un très bon joueur en sortie de banque, qui connaît la mmh. maison en plus, qui a, qui a déjà joué pour les Knicks. Et surtout, Bogdanovic, je pense, qui a été demandé par pas mal d'équipes. Ah, ouais. Ce profil, poste 3, grand. Capable de jeter à trois points. On sait qu'il a un des plus beaux bras de la ligue. Enfin, on le voit très bien aux côtés de Brunson, Randall pour écarter la défense. Il est capable de faire des cartons et, et c'est parfois ce qui leur en manquait en playoff l'année dernière. Donc, pour l'instant, c'est le coup, en tout cas, de cette trade deadline, pour moi. Oui, je suis assez d'accord. il faut un joli coup. Cette équipe de New York qui récupère quand même un mec hyper fiable, vétéran, ah ouais, établi dans le VCR, en plus, qui n'a pas l'air chiant à non, intégrer dans non, un collectif, euh, qui, lui, je le... pense, sera ravi, en plus, d'arriver là-bas. Ouais c'est le genre de joueur qui fit un peu dans toutes les équipes ouais. parce qu'il voilà, ne il demande pas grand-chose. Il a un bon jeu sans ballon, en plus. Mmh. Et voilà, il… Il va mettre ses paniers comme il sait faire depuis, depuis 20 ans. Donc là, le coup, il est, il est fantastique pour les Knicks. Alors, c'est pas mal du tout pour cette équipe de New York parce que, tiens, je vous rappelle un peu leur situation. Ils sont quatrième aujourd'hui à l'Est. Et encore, je devrais dire troisième ex -Eco. Ils ont le même ouais. bilan que Milwaukee. 33-18, là, je regarde pour pas dire de conneries. Cleveland est juste devant. Il euh, y a un petit break avec Philly qui est en train de s'effondrer derrière. Euh, top 4 à l'Est. Euh, Erwan, je reviens vers toi aussi, là. C'est Knicks, là, que tu vois jouer de près en ce moment. signent Bogdanovic en plus, avec Burks aussi. Euh, je dis pas ça pour faire monter ta tension artérielle là, mais c'est pas mal ce qui se passe à New York. Hein Écoute, moi j'aime euh, traduire certains trades euh, par de, par, 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 par de l'ambition ou pas de certaines franchises. Moi, quand je vois qu'il y a quelques semaines, quelques mois, ils font euh, Oji à Ninobi et qu'ils arrivent avec Pratesu Sachiwa, quand je vois que là, euh, le dernier jour de la trade deadline, ils arrivent à faire euh, euh, Bogdanovic. Je me dis que les Knicks ont de l'ambition. Je me dis qu'autour de, de de Jalen Brunson, ils ont envie de lui offrir aussi les les armes pour pouvoir exister un petit peu plus en playoff. Et c'est comme ça que je vois les choses. Moi aujourd'hui, si je fais si je fais un point dans la conférence S, je vois je vois Milwaukee vulnérable. Je les vois, je les vois prenables. Je vois euh, les Sixers avec beaucoup d'interrogations autour de de Joel Embiid. Et si Joel Embiid n'est pas là. Ben, ça devient une équipe très random, comme on, comme on peut le voir ces derniers temps. Voilà, donc à part Boston, qui a, qui, a, qui a bougé aussi avec Xavier Tillman, mais qui est une équipe avec beaucoup de certitude, je vois beaucoup, beaucoup d'équipes qui à la base étaient annoncées supérieures à New York en début de saison, qu'ils ne le sont pas. Je rajoute aussi Miami, sur qui il y a beaucoup d'interrogations. Donc en fait, ce que je vois chez les Knicks, c'est de se dire, et pourquoi pas cette année Et pourquoi pas aller chercher une finale de conférence Et une fois qu'on est en finale de conférence, qu'est-ce qui nous interdit derrière de rêver et, euh, et par ces mouvements-là... Je trouve qu'il donne des armes à Jalen Bronson et à Tom Thibodeau évidemment de se dire ben voilà nous on veut aussi maintenant euh, assumer notre rôle euh, notre, notre rôle d'être un, un, un outsider plus plus dans cette conférence Est. et eh ben écoute c'est hyper intéressant en tout cas on va suivre euh, parce que ça fait parler parce que c'est New il a excité est notre 1 hein, il est voilà, content je es le vois con... là il est déjà qu'on le tenait pas lui depuis un petit ah, moment euh, cette année la il, il voit grand pour les Knicks là maintenant et, et en plus c'est peut-être pas la terminé raison. Et oui, bien sûr qu'il a raison. Et moi, je lisais en plus qu'ils sont encore en train d'essayer de faire Bruce Brown apparemment en plus. Donc, écoutez, on verra si ça se fait d'ici deux heures. Euh, ça pourrait être énorme. Euh, on reprend quand même le cours des choses dans clutch. Je voulais euh, vous inciter, les viewers, là, à venir communiquer avec nous. Vous venez échanger sur le chat, vos messages, vos questions. Si vous avez des questions sur des équipes, sur des joueurs, allez-y balancer ça. On les prendra avec plaisir avec Thomas et Erwan depuis New York. Et euh, comme d'hab, pour vous récompenser d'être avec nous, en live, fidèle chaque semaine, euh, je vous fais gagner de l'argent. Euh, première question, il y en aura deux ce soir. Première question, Freebet 5 euh, Freebet de 10 euros à gagner. Par quelle équipe a été drafté Buddy Hilde Et je peux vous dire que Thomas, il l'a eu tout à l'heure, mais moi, vrai. je ne l'avais pas. C'est vrai, bon. vrai, pour une fois, j'ai été bon. Ouais, il, était il a réactif il a répondu avant l'émission directe, il avait la <laughs> bonne réponse. Euh, donc, vous attendez euh, qu'on affiche les réponses, je crois que c'est ça, dans le chat de, de Wina. Et puis, vous aurez euh, la possibilité de gagner un free bet. On tirera au sort, les modérateurs tireront au sort 5 free à 10 euros en, en cours d'émission. Pourquoi on parle de Buddy Hill Parce que Buddy Hill, ça y est, lui aussi, a été transféré un petit peu plus tôt dans la journée. C'est tout frais, ça a 2 heures à peine. Buddy Hill qui quitte les Pacers d'Indiana, direction justement la franchise dont parlait Erwan, les Sixers de Philly, cette équipe qui pour l'instant est en galère totale avec la blessure de Joel Embiid. Là ils sont redevenus, c'est Erwan qui le disait, une franchise totalement random. Et bah ben, ils envoient donc, ils, re, ils voient plutôt arriver euh, Buddy Hild en échange, vous le voyez, de joueurs qui jouaient très très peu, c'est Marcus Morris et Furkan Korkmaz. Trois secondes tour de draft quand c'est surtout ça la monnaie d'échange euh, j'imagine pour les Sixers. Je précise quand même rapide euh, Thomas que Buddy Hild sera en fin de contrat cet été. Donc c'est un pari sur les 2-3 mois qui viennent là, plus playoff évidemment. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Buddy Hilde à Philly bah Moi déjà, je me suis posé la question à la blessure de Joel Embiid. Qu'est-ce qu'ils allaient faire Où ils en étaient Est-ce que, est, est que la saison est morte pour les Sixers Est-ce qu'Embiid va revenir Apparemment, s'ils ouais, ouais. font le coup Buddy Hild, ça veut dire qu'ils ont peut-être des bonnes infos et sont, sont optimistes pour un retour de Joel Embiid avant, avant les playoffs. Maintenant, Buddy Hild, il, il, il est en train de vivre une saison difficile du côté d'Indiana. On sait qu'il est, qu est capable de, de carton, c'est un shooter, il peut, il peut écarter les défenses. Ils avaient besoin de ce profil-là, les Sixers, après, avoir voir s'il arrive à se remettre un peu en, en jambe parce que, bon, il, il était un peu dans le trou cette année. Maintenant, avec entouré d'un bid, Maxi il va avoir des espaces et des bons shoots. Après par contre c'est un joueur qui n'a jamais fait les playoffs donc il, a, il aura aucune expérience à apporter de, de ouais. ce côté-là mais bon il faut bien démarrer un jour. Et puis c'est pas... Euh, on parlait de Bogdanovic qui est un mec qui pour le coup fit partout, c'est pas tout à fait le cas de Buddy. C'est un mec, on, ça, alors, Après c'est sa courbe de carrière, hein, quand il était à Sacramento, quand on, était, on sait que c'est un mec qui aime prendre ses tirs, qui a besoin d'avoir des ballons. Euh, après, ils tentent un move. Moi, je suis d'accord. Erwan parlait d'ambition sur les trades. Là, je pense qu'ils montent leur ambition. Ouais. Ça prouve qu'ils veulent jouer un truc cette Mais c'est pareil. Je me pose la question. Je ne suis pas persuadé du fit, moi. c'est pas foufou. -fou. En plus, c'est pas un défenseur élite. C'est quand même. Ça reste un défenseur moyen, pas très grand. Donc, euh, peut-être que. En plus, ils lâchent des assets qui auraient pu servir peut-être à un autre move. Alors, est-ce ouais. qu'ils ont fait ça parce que finalement, ils n'avaient aucune option ouais, voilà. doute, ouais. Ils se disaient qu'ils pouvaient rien avoir de mieux voir, là jusqu'à la fin, peut-être qu'ils vont refaire un package et renvoyer Buddy quelque part, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est toujours mieux ça que rien. Oui, oui, au moins ils montrent, euh, voilà, ils montre de l'envie, ouais, de, de ouais. euh, faire quelque chose cette année. Erwan, c'est toi hein, qui disais il euh, y a deux secondes, je reviens vers toi, là, qui nous disait que un trade, ça voulait dire quelque chose sur l'ambition d'une équipe. Là, ça nous prouve clairement qu'ils n'ont pas lâché la saison les Sixers en tout cas. Ouais, je vous trouve euh, tout à fait, tout à fait. Joel Embiid pour moi euh, va, va revenir hein, de toute façon, même si il doit rester, il doit rater trois à quatre semaines. On sait que cette équipe-là, avec le niveau Embiid affiché depuis le début de saison, moi je dis toujours, Embiid à ce niveau-là, c'est une équipe qui doit ambitionner d'aller au bout. Euh, et je pense que les Sixers, malgré la, la blessure récente de leur de leur pivot camerounais américain français euh, peut-être il a d'autres nationalités mais je ne les ai pas doit euh, doit 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 penser la même chose. Moi je vous trouve sévère avec euh, avec Budil mais ça s'entend aussi c'est vrai qu'il a zéro expérience playoff euh, c'est un shooter quasi exclusif euh, mais je je sais pas pourquoi mais moi j'ai envie de croire que c'est un mec c'est plus qu'un shooter, c'est un shooter qui ne s'échappe pas. Et toi, Thomas, qui était, qui était un shooter dans ta, dans ta, dans ta, carrière, il y a les shooters, mais il y a les shooters qui, qui sont aussi dans les moments clés, s'échappe euh, s'échappent un peu. Et lui, j'ai l'impression que c'est quand même un mec qui, en playoff, va te sortir peu, peu, et c'est vraiment que de la supposition, parce que vous l'avez parfaitement dit, il n'a jamais joué les playoffs, mais c'est pas un échappé, comme on dit. Je pense que ce mec-là, il peut décanter trois, quatre matchs un peu galère, avec des grandes bombinettes. En tout cas, il prendra ses tirs, il sera sur le terrain, il n'aura pas peur. Et je et je, je ne je, me, je fais cette déduction que sur le profil du mec mais voilà donc je, moi je crois que c'est j'ai envie de croire que c'est un, un vrai bon move que il sait pourquoi il vient que la hiérarchie elle est plutôt bien faite que Joel Embiid est le numéro 1 évidemment que Thérèse Maxi crée énormément d'espace que Nico Batum qui est blessé aussi et ça fait énormément de mal aux Sixers en ce moment dans la dans la mise en place de pas mal de choses va revenir aussi et que finalement Budil va être le le premier bénéficiaire de tout ça et je crois que, avec un nouveau challenge en se disant, ben, hey, pourquoi pas nous aussi euh, se faire, un, faire un run de playoff Je pense que Budil avait aussi besoin de, de peut-être d'un nouveau challenge. T'as raison, Thomas, il était un petit peu en fin de cycle euh, avec, avec les Pacers, malgré la bonne saison d'Indiana. Donc je me dis, euh, mec, arrives, tu joues aux côtés des MVP, d'une équipe qui potentiellement veut jouer le titre ou au moins aller jusqu'en finale de conf. Ben vas-y, Banco, pourquoi pas, quoi Donc c'est aussi ça qui est important dans. Dans la, dans la relance d'un joueur, c'est plus qu'un système, c'est aussi l'ambition qu'une équipe peut avoir. Et je crois que Bedil, pour moi, va bien fitter avec les Sixers. Optimiste que, que nous apparemment, bah, tu as le droit hein, bien sûr. Euh, tiens, il y a un viewer là, Anthony, qui nous dit aucun intérêt pour Indiana, je comprends pas le move. Je répète juste, euh, Buddy, Hill, il, était en, il est en fin de contrat cet été. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, les Pacers, c'était soit ils prenaient ce qu'on leur proposait, soit ils perdaient Buddy Hill cet été pour rien. Quoi. Donc je pense qu'on est dans le cas de ce que tu disais tout à l'heure, c'est ils ont pris le meilleur package qu'on leur a proposé. Bah, il ne faut pas oublier qu'il y a tous ces calculs à prendre en compte, ces fins de contrat, voilà, ces, ces choix de draft, c'est vraiment assez compliqué de faire des trades. Et euh, voilà, il récupère des choses en retour, il se débarrasse de Budil parce que sur les ailes aux, aux Pacers, ils ont ce qu'il faut. Et voilà, après, euh, ouais, Budil, je suis un peu dé... sur certains points, je suis d'accord avec Aaron, bien sûr qu'il a un bras il pourra aussi prendre feu peut-être sur certains matchs en play et décanter des situations. Après, vraiment, moi, c'est un joueur que, que j'apprécie, c'est juste qu'en ce moment, il est un peu dans le dur. Quoi. Ouais, c'est le cas, il n'était clairement pas dans le bon projet des, des Pacers pourtant en ce moment. Euh, donc voilà, je vous récapte ce trade une fois de plus, Indiana. Qui reçoit Marcus Maurice, Furkan Korkmaz et trois secondes tours de draft en échange de Buddy C'est le gros nom qui bouge, qui part donc d'Indiana, direction euh, les Sixers euh, en face. Euh, autre trade dont on va parler, qui est tombé il y a euh, vraiment pas longtemps. C'était juste avant qu'on prenne l'antenne. Il y a une petite demi-heure à peine. Gros, gros trade ce coup-ci, concerne Dallas principalement. Euh, les Mavs qui font des moves en ce moment, Dallas, et ces Mavericks qui, est en train de, qui sont en train de, de retravailler leur raquette complètement, et il y a un gros nom qui est sorti, c'est PJ Washington qui bouge euh, de Charlotte, direction Dallas, et à l'inverse, vous le voyez, c'est Grant Williams, Sescury et un premier tour de draft qui font le chemin inverse, alors plein de choses à lire là-dedans Dallas qui fait une croix déjà sur Grant Williams, ouais. l'expérience qui aura duré à peine une demi-saison et Dallas sur tout homme qui veut upgrader j'imagine sa raquette en allant chercher PJ Washington Moi tout d'abord c'est une équipe que j'apprécie particulièrement notamment à cause de enfin, grâce à Lucas et là, je vois que c'est un super move parce que Grand Williams, tu dit, qui a été assez décevant sur ce début de saison. Il n'avait pas trop mal démarré, il s'est vite écroulé. Je pensais qu'il allait faire mieux que ça, qu'il allait être plus constant dans son adresse à trois points, qu'il allait apporter plus de dureté. Vous pensez qu'il Et... qu allait step up après Boston Et en fait, ça n'a pas été vraiment le cas. Oui, clairement, parce qu'on l'a vu avec Boston faire parfois des, des, des cartons, enfin des cartons mettre 20 points, être vraiment oui, solide. Oui, oui. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le bon move de s'en débarrasser, surtout en récupérant P.G. Washington, qui est un joueur certes qui stagne depuis 2-3 ans à charlotte mais peut-être que lui aussi il a besoin d'un nouveau projet et là quand on connaît un peu le jeu des, des mavs avec la création de lucas il sera beaucoup à la finition c'est ouais. plus son style de jeu c'est un stretch fort de grande taille avec des qualités athlétiques il va ramener aussi de la dureté au euh, côté défensif, il est long. Il fallait un peu de taille aussi du côté de Dallas. Et honnêtement, c'est un super move pour les Mavs. Et alors c'est pas tout parce qu'on attend l'officialisation d'un deuxième trade qui n'est pas encore officiel, officiel, mais qui a l'air de, de se faire. Euh, c'est qu'il ferait venir également Daniel Gafford, ah, le ça, pivot ça, ça, des Wizards, euh... Euh, en échange de Richon Holmes, en plus qui était de toute façon au bout du banc à Dallas en ce moment. Et ça, pour le coup, là, c'est un upgrade considérable. Ah, ouais, moi, j'adore euh, Gafford. Je trouve. Euh... C est, c est, il a un gros potentiel pour moi, il peut encore euh, progresser et c'est un peu un profil, on va dire, peut-être, euh, bon, moi, à la capella, très, très vite sur les appuis, capable de récupérer des allées Après, avec un plus gros physique, peut-être qu'il va un peu moins haut, quoique. Il, ouais, il, quoi il, il va très ouais, ouais. très haut, mais on, on, d'aller chercher ce pivot capable sur les pick-and-roll d'aller chercher des allées de protéger aussi le, le cercle. Alors, Derek Lively avait. Euh, rendu des, des fiers services en ce début de saison, c'était un peu la bonne pioche pour Dallas, mais là, il ramène quand même un peu plus de masse et, et d'expérience, et là, avec PJ Washington et lui, bah, ça peut peut-être devenir un contender sérieux. Ouais, je suis comme toi, moi je suis un peu hypé là, par cette trade deadline ouais. de, de Dallas. Je voudrais ton avis, Erwan, là, à New York, raconte-nous un petit peu, ils font a priori Gafford, ils font PJ Washington. Pour lâcher euh, bah, Holmes, c'est quand même pas grand-chose. Et Grant Williams, qui est sans doute le, le truc le plus marquant là-dedans, il euh, y a upgrade terrible de la raquette à Dallas là non Ouais, il y a upgrade terrible de la de la raquette. à raison. Et il y a surtout enfin vouloir mettre un peu de la viande autour de autour de Luca. Ça, c'est pour moi, c'est pour moi un virage important. On se calque aussi sur euh, les futures batailles en play-off de la conférence Ouest, on sait que les équipes sont, sont, armées, sont armées, Anthony Davis, euh, Nikola Jokic, euh, Sabonis, euh, les Clippers, ils ont trois pivots, Zubac, Tais et euh, et Plumlee. Voilà, et on sait qu'ils sont un petit peu courbettu là-dessus, on aime beaucoup ce que fait le rookie euh, euh, Lively, je pense qu'il va rester starter, mais si tu rajoutes Gafford à côté, c'est très bien. Ensuite, PG Washington, un poste 4 qui met dedans. Au large, il faut mettre des shooters spécifiques autour de, de Luca et de Kyrie. Non, non, c'est bien pensé. Euh, après, voilà, une peu, forcément une pensée pour, pour, euh, comme il s'appelle, pour Grant Williams. Ça, il, y a, il, y a, il y a trois ans, dans le, dans, dans le run incroyable des, des, des Celtics, quand ils vont en finale, il a un rôle monstrueux euh, de, de, de défenseur, de fluendi incroyable. Il a un rôle fantastique. Ben, trois ans après, il se retrouve chez leur Nets dans un projet qui n'en est pas un. Donc, ça va très vite en NBA, mais c'est vrai, je vous rejoins sur la déception un petit peu du fit avec Grant Williams. Mais par contre, euh, j'aime enfin ce que, ce qu'est en train de faire Dallas. On rappelle qu'il y a un an, Carrie Irving arrivait, euh, dans le Texas pour jouer aux côtés de, de, de Don mais ça a toujours été compliqué de trouver des, des seconds couteaux qui fitaient bien autour de, de Luca. C'est, c'est, pas simple, mais j'ai l'impression que là, avec Gafford, qui est un, t'as raison, Tom, hein, sur du, sur du Capella, mais avec un peu plus de, de move aussi, dos au panier, un petit peu plus technique, je pense, Daniel Gafford, c'est très bien. Non, j'aime bien ce que, font le, ce, que font, ce que font Dallas, mais après, on va le dire tout le temps, c'est que là aussi, ça montre aussi des, des ambitions, et j'aime bien comment ils se calquent aussi sur les, sur les futures batailles de playoffs avec les, les tontons d'en face. Euh, ils sont, euh, Erwan, je reste avec toi une seconde, ils sont décevants là depuis le début de l'année, on va pas se mentir, mais bon, il y a eu des absences, des blessures, il y a eu plein de raisons à ça. Euh, ultra décevants l'année dernière, ils avaient raté les playoffs. Est-ce que ce que nous disait Tom, est-ce que tu trouves que c'est en train de devenir un contender pour cette année, les Mavs, euh, avec ces deux trades de toute façon, quand, as, quand as Luca tu as Luka dans l'équipe, tu l'es forcément toujours. Mais alors, ce qui, est, ce qui est bien et pas bien à la fois, parce qu'il est tellement fort, il est tellement omnipotent que par son talent, des fois, il efface un petit peu les manques qu'il peut y avoir autour. Et aujourd'hui, Dallas est huitième. Aujourd'hui, Dallas 8 huitième et on a envie de se dire qu'ils sont, ils sont un petit peu en dessous des attentes qu'on peut avoir. Et quand je vois la forme du Thunder, quand je vois la forme des, de Minnesota ou des équipes qui sont devant, il hein, y a même Phoenix qui est devant. Donc, euh, j'espère en tout cas, on va voir comment la mayonnaise va prendre. En tout cas, c'était un move qu'il fallait faire. C'est un move qu'ils font et je suis très curieux de voir comment ça va prendre. Mais oui, quand as, de toute façon, quand tu as Kairi et Luca dans ton équipe, ben forcément, tu dois faire partie du chapeau des contenders. Et aujourd'hui, pour moi, ils sont un petit peu loin de ça. Donc, euh, c'est un bon move pour Dallas. Et puis, bon, c'est ce qu'on s'est toujours dit que tu dois faire partie des contenders. Mais l'an dernier, rate les playoffs. Alors, oui, il y a des raisons à ça. Tu nous dis, c'est vrai qu'il y a des absences répétées. Ouais. Donc, bah, des absences, surtout une, quoi, Kyrie Irving, qui ah, oui. cette année a, je crois, fait la moitié des matchs à peu oui. près, c'est oui. ça Donc au bout d'un moment, c'est bien beau d'être contenders, mais il faut jouer ensemble, il faut prendre de l'expérience. Et bah, là, maintenant, si tout le monde est en bonne santé, la clé, ça sera que Kyrie joue tous les matchs, enfin en tout cas beaucoup de matchs avant les playoffs, pour mettre des choses en place. Et, et là, il se renforce énormément, il n'y aura plus d'excuses, il commence à être bien équipé sur tous les postes. Et voilà, avec Kyrie on sait ce qu'il a été capable de faire avec les Cavs. Donc si les deux arrivent à, à bien s'entendre, bah, ça peut créer euh, des belles, une belle surprise. Ah ouais, Dallas, donc, qui euh, upgrade sa raquette, c'est l'une des infos de cette trade deadline. PJ Washington qui débarque, Daniel Gafford qui débarque autour de Luca Doncic et Kyrie Irving. Euh, c'est l'une des, des grosses histoires de cette journée. Les MAVs qui, euh, qui, qui augmentent un petit peu euh, la taille, notamment dans, dans la raquette. Si vous nous rejoignez là dans Clutch, bienvenue à vous. 19h30, ça fait une demi-heure qu'on est en live. Jusqu'à 21h, on est ensemble pour vivre un petit peu cette trade deadline tous ensemble, tous les... Transfert de dernière minute et il s'en est passé 10 000 en fin d'après-midi. Ça s'est un petit peu calmé là en ce moment, mais on va continuer à débriefer bah, du coup tout ce qui s'est passé, Thomas, ensemble. Je vous rappelle qu'il y a une question Freebet pour gagner euh, un Freebet à 10 euros. Il y en a 5 à gagner d'ailleurs. Euh, quelle équipe a drafté Buddy Hill Vous répondez sur la home page de Wina et vous pouvez essayer de gagner l'un des 5 Freebet à 10 euros. Les modos qui tireront au sort là dans la demi-heure qui vient. Et puis à 20h, on passera sur une, sur une deuxième question. Euh, on continue, euh, Thomas, de débriefer un petit peu les, les trades du jour. Alors il y en a un, moi, qui, qui me plaît euh, de trade, même s'il peut sembler presque à la marge, mais c'est parce qu'il concerne déjà une équipe de haut tableau, et puis surtout un joueur que moi j'aime beaucoup. C'est ton gars, ça bah, J'ai beaucoup aimé Gordon Hayward, euh, qui est un peu perdu à Charlotte depuis des années maintenant, et qui se retrouve désormais à Oklahoma City, envoyé en échange euh, de Treman, Davis Bertans et euh, je crois qu'il y a un petit pic qui doit se balader là-dedans aussi je ne veux plus dire de bêtises euh, vasilier Michic, le MVP Euroleague voilà aussi qui fait le, le, le chemin inverse qui va euh, direction Charlotte euh, et un tour de draft donc euh, qui part à Charlotte en même temps Okisi qui tente donc Okisi qui est au sommet à l'ouest pourtant qui tente le coup Gordon Eward qu'est-ce que tu en penses Thomas Ah Gordon Eward quelle, quelle carrière il est, il, il est jamais vraiment revenu de son énorme de sa terrible blessure ouais. à l'époque il n'a jamais vraiment retrouvé son, son niveau il a eu beaucoup de hauts et de bas. Même cette année, il a été souvent blessé. Après, ça reste un, un ailier solide qui est capable de défensivement euh, monter le ton. Et surtout, il met dedans, il met des paniers en sortie de banc. Ça peut apporter aussi de l'expérience à cette jeune équipe d'Okessi. Okay Je pense que c'est un, un bon move. Il lâche pas grand-chose en échange. Donc, ils amènent de l'expérience et de la profondeur de banc. Pour moi, O'Kessy, si, là, ils font, font une bonne affaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais. Ah, moi, je trouve ça pas mal. Alors, je ne suis, suis pas hyper objectif <laughs> parce que j'aime bien Gordon et Ward. Mais euh, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on reproche à OKC okay, si, depuis le début euh, dans ce groupe-là, enfin, ils sont fantastiques cette année. Chez, incroyable. Il y a des mecs qui se montent. Jalen Williams, qui est en train de devenir niveau euh, ouais. fantastique. Lou Dort qui a un socle défensif. Mais ce qu'on leur. enfin, euh, Quand on cherche un point négatif, c'est clairement l'expérience. Euh, l'expérience playoff qu'ils n'ont pas du tout, l'expérience tout court, même dans le vestiaire, je pense. Et, et je pense qu'ils comblent ces besoins-là euh, immédiatement avec, euh, avec Gordon Hayward. Moi, je trouve ça vraiment pas mal de leur part. Encore une fois, on revient à ce que disait Erwan tout on, on parle d'ambition en, en forme de trade. Et bien, pour une fois, OKC okay, si, fait preuve d'ambition à court terme, je trouve ouais. eux qui ont toujours été dans des raisonnements à moyen ou long terme, là je trouve que c'est une décision qui a un impact à court terme euh, et je trouve ça intéressant parce que j'en je, avais un peu ras -le cul de ce projet enfin non, c'est fantastique ce qu'ils sont en train de faire mais l'idée de toujours repousser ouais, après, à moyen ça fait terme quand même depuis l'année dernière qui sont super intéressants et qui ont des résultats. Bah là c'est la première année où ils ont vraiment oui. l'année dernière ils ont montré des, choses. Ont montré des choses. Cette mais année mais on se dit putain mais jusqu'où ils vont aller quoi. On est en train de euh, voir la progression cette année. Exactement et, et on rejoint ce qu'on avait dit nous dans Clutch au début de l'année avec les gars, c'est que cette équipe de elle n'a pas une fenêtre de 6-7 ans devant elle non plus parce qu'il va falloir payer les mecs et tu pourras pas payer tout ça, monde. le monde. Et, et, et donc là en faisant venir ah, Gordon Hayward hum. j'ai l'impression que tu tentes le coup pour cette année. Tu veux réussir quelque chose cette stanner. Euh, Erwan comment tu l'interprètes toi l'avenue de, de Gordon Hayward à, à O'Kessie un petit peu comme vous, un petit peu comme tous les deux. Hein, C'est un, un super coup. Euh, Gordon Hayward, on se souvient de lui, ben avec le Jazz, sa signature à Boston et finalement l'expérience de Boston qui tourne très court. Hein, on rappelle, il s'était mis, il s'était mis la cheville derrière l'oreille au bout de 40 secondes de jeu à Cleveland. Donc euh, et quand il est revenu, ben il avait parfaitement expliqué dans un podcast que après euh, c'était il n'y avait plus d'hiérarchie chacun voulait euh, aller de son côté donc son finalement son expérience à Boston elle est elle est elle est assez mais elle est plus que mitigée puis derrière il déboule euh, il va prendre l'oseille à au Hornets dans un rôle où on veut en faire une espèce de, de grand frère de mec qui va guider mais il est pas comme ça c'est pas c'est pas comme ça qu'il est Gordon Hayward donc euh, il s'était perdu on l'avait presque oublié sauf toi Rémi parce que tu as, as des sentiments forts pour lui mais on l'avait presque oublié Gordon Hayward je suis très content de le voir revenir dans un dans un projet ambitieux comme celui des du Thunder moi, je suis d'accord pour l'ambition, pour le, le vécu playoff. C'est pas dans le vestiaire parce que de ce qu'on sait de lui euh, quand il était à Utah, c'est pas c'est pas un leader vocal, c'est pas c'est pas quelqu'un qui euh, qui va prendre la parole. Par contre, c'est quelqu'un sur le terrain qui qui va être exemplaire. Et, et, et Thomas Thomas le disait, il va pouvoir mettre des paniers aussi importants. On a vu euh, le Thunder, malgré leur magnifique saison qu'ils sont en train de faire, parfois euh, sur des fins de match, ben c'est vrai que c'est un petit peu chai euh, ou rien. Euh, même si euh, Jalen Williams régale aussi, mais là tu vas avoir aussi dans des, je me dis ils sont deuxième euh, à, à l'Ouest, bah, sur un match de ploff un peu compliqué par manque d'expérience, ben bah, tiens, euh, on va donner la balle à Tonton, lui là il est passé par là, il sait faire. Donc moi je trouve que tu as raison Rémi, il, en fait ils gagnent du temps dans leur projet au lieu de se dire bon on va laisser les jeunes euh, faire des erreurs, réussir et puis on verra où ça nous mène. Là ils disent on va mettre un Tonton qui, euh, qui a de l'expérience, qui tourne encore mine de rien à 14 points. Par match cette saison et j'ai l'impression qu'ils se, ils se font gagner du temps. Je ne sais pas combien de temps ils vont gagner, mais pour moi faire venir Gordon ewart qui est en fin de contrat euh, en, en, en fin de saison, c'est se faire gagner du temps. Et si ça se passe bien, vu qu'il a déjà pris 120 bars avec le Hornets, ben pourquoi pas euh, euh, re-signer avec un trouver un compromis entre le entre le Thunder et Gordon ewart pour la suite. Je trouve qu'en tout cas c'est un, un très bon un, un très bon move de la part de Sam Presti et du Thunder dessus et alors c'est marrant je regardais du coup les classements Erwan, il y a trois équipes en tête à l'ouest à égalité même bilan c'est n'importe quoi d'ailleurs l'ouest en ce moment euh, okc minnesota denver à 35 16 et il y a les clippers qui sont à 34 16 juste en dessous euh, je suis curieux du coup d'avoir ton avis thomas vu qu'on n'a pas l'occasion de parler souvent toi et moi à l'antenne comme ça euh, cette équipe d'okc tu, tu crois qu'ils peuvent faire un run des année là Ouais, clairement, ils peuvent faire un run. Après, moi, j'attends sur cette trade deadline surtout ramener de la viande à l'intérieur. Je les trouve très, très light à l'intérieur. Donc là, Tu ont... crois qu'ils peuvent encore bouger là Ils n'ont pas de big, ils n'ont pas de protecteur de, de cercle, même si Chet fait le boulot, mais il est, il est quand même assez fin et on sait que les batailles de playoffs sont assez rudes. Pour moi, c'est vraiment le seul truc qu'ils devraient essayer de rajouter. Peut-être il y a eu un peu la rumeur uh, Drummond, ouais, un expert en robots. Il y a un mec euh... cherché là, Drummond ouais, en ce moment, à tout voilà, le monde. Voilà, qui, qui sur 20-25 minutes peut apporter uh, des. des... Des bonnes choses, mais ouais, j'y crois parce qu'on a un mec qui est capable de, de finir les, les fins de match. Je vois une équipe totalement en confiance qui se passe la balle, qui prend plaisir à jouer ensemble. Là, en plus, on rajoute Eward en, en sortie de banc. Et pour moi, ils sont pas dans les premières places de la ligue pour rien. Et bah, moi, moi, moi j'y crois là, en tout cas. Ils peuvent faire un coup cette année, je pense. Je comprends, ta raison. Euh, moi, là, là où je suis d'accord, c'est que j'ai douté d'eux longtemps dans ce début d'année. Puis, puis bah, ça tient quoi. Ah, ils, ouais, ils tiennent le rythme de solid. Denver, ils tiennent le rythme des Clippers qui reviennent fort en ce moment. Euh, euh, vraiment, c'est solide, je suis d'accord. Euh, on verra ce que ça donne euh, une fois qu'il y a les playoffs qui arrivent. Mais, mais, mais pour l'instant, en tout cas, ils font le, ils font le taf clairement, euh, Oklahoma City. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on parle que à chaque fois. Euh, je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a des trades avec Charlotte. On parle toujours de l'autre équipe. On ne parle jamais de Charlotte. C'est un bordel à Charlotte, oui. sans nom. Ils ont, ils ont dégagé tous leurs atouts, là, quasiment. Ils ont, alors, bon, Miles Bridges a dit qu'ils ne bougeraient pas, soit. PJ Washington est parti. Gordon Hayward est parti. Ils récupèrent des, des mecs. On se demande ce qu'ils viennent de foutre là. Davis Bertaz, le pauvre. Euh, Bichette, euh, il était perdu à OKC, okay, c'était le seul qui, qui, voilà. jouait, qui jouait pas là-bas. Terry es Rozier es est parti es aussi. Terry Rozier qu'ils ont laissé partir, t'as raison Erwan face à Kylori euh, qui vont sans doute couper un jour ou l'autre là. Euh, je, je, je sais même pas ce qui... Je moi, pense à Franck Nilikina, à Théo Malédon qui sont là-dedans, ça doit être un bordel sans nom. Bah, pour moi, je pense clairement que là, ils sont dans une reconstruction totale, avec, ils vont partir sur le duo euh, Lamelo... Euh, Michael Bridges, euh, Bridges Miles, euh, Miles ouais. Bridges pardon et voilà ils vont se baser sur ces deux-là et construire autour de Brandon eux. Miller le rookie aussi voilà, qui là, Brandon là. Miller, ils ont ils ont leurs trois jeunes qui peuvent exploser enfin il y en a qui ont déjà explosé enfin ouais. LaMelo quand il est là, <laughs> oui, quand bon, il est là, c'est vrai. Lui c'est un sacré cas aussi, on en reparlera peut-être plus tard. Mais euh, voilà, je pense que là, ils lâchent tout, ils n'ont plus rien à jouer cette année, ils, vont, ils sont en reconstruction totale, ils vont essayer de récupérer des tours de draft et après en avant. Hein. Ouais, c'est un peu l'idée, Erwan, là, c'est. Euh, ils ont, ils ont leurs trois leur, euh, joueurs et puis derrière, ils, a, ils accumulent les assets pour, pour construire ouais, mais là, tout à l'heure, on parlait de Détroit, La Charlotte, c'est illisible. Alors, ils ont une méga superstar en devenir, euh, c'est euh, la Mélo Ball hein, qui est un joueur fantastique, mais derrière, oui. Euh ils ont ce, ils ont ce, ils ont ce rookie là qu'ils ont eu l'année dernière son nom m'échappe vous allez m'aider mais euh, euh, vous venez d'en parler qui est, qui, est, qui, est, qui est bien aussi mais mais c'est trop compliqué pour l'instant même les déclarations de Steve Clifford en ce moment sont, sont assez lunaires donc euh, il fait pas bon être euh, je pense aujourd'hui dans cette dans cette franchise et dans, et dans ce projet donc tant mieux si des joueurs peuvent 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 partir mais et oui, c'est très dur d'avoir une lecture, une lecture sur, sur, sur ce que ces gens-là veulent faire. On en avait débattu il n'y a pas si longtemps que ça dans une émission First Team, en se disant que c'est quand même une équipe qui, sur les cinq, six dernières années, si on regarde, qui a eu des, des, des hauts choix de draft, qui a fait venir des mecs, qui a fait changer de coach. Et, et en fait, ça, ça ça bosse pas très bien que ça soit sur le terrain. Mais en général, quand on bosse mal sur le terrain, c'est qu'on bosse mal dans les bureaux. C'est que Jordan a vendu, le propriétaire a vendu aussi ses parts. Donc voilà, je sais pas, je c'est très, ouais, t'as raison, Rick, Mais en fait, c'est c'est le bordel, beaucoup beaucoup trop le bordel pour commencer à essayer d'espérer quelque chose en Caroline du Nord. Je pense que là où t'as raison, tu t'as cité le nom, c'est Jordan. Ça fait ça nous fait tous mal au cœur de dire ça, mais mais Terrible. Michael Jordan a vendu au, au bon moment, j'imagine. Et, et je pense que je me mets à la place du mec. Du c'est un consortium là qui a racheté le truc, qui ont racheté. Les mecs, ils ont mis 3 milliards sur la table quand même pour racheter le, la franchise. C'est pas rien. Euh, je pense que eux, au moins, euh, tirent un trait sur cette, euh, cette décennie de, de, de nullité à Charlotte où il n'y a rien eu, pas de construction, alors qu'il y a eu des options, tu l'as dit, Erwan, il y a eu des pics de draft élevés, il y a eu plusieurs choses. Il ne s'est rien passé à Charlotte. Je pense que les mecs ont mis, ont mis la caillasse, ont pris la franchise et se disent ils regardent ce qui se passe, bon, qu'est-ce qu'on a de bien ce qu'ils ont bien, clairement, c'est Lamello Ball et Brandon Miller, euh Miles Bridges pour d'autres raisons. Euh, et, et on va construire avec ça. Et le reste, là, on fait le ménage. Je pense qu'ils sont dans ce, cet état d'esprit-là. Je pense que les mecs veulent faire table rase de tout ce qui s'est passé depuis 5 ans et, 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 et de tout ce que Michael Jordan a fait de, de médiocre, quoi. Ouais, Michael Jordan... Euh... C'est dur hein, ce qu'il a fait euh, pour, les, pour les Hornets et je pense qu'il a bien fait de partir. Euh, ça, ça, pff, il, a, il, a, il a rien apporté de, de, de bon, j'ai envie de dire parce que quand on voit aujourd'hui où sont les Hornets, ben, on est dans le flou total. Comme l'a dit Arwan, c'est le bordel. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'ils remettent tout à plat, qu'ils repartent sur des bases saines et qu'ils construisent maintenant tranquillement, qu'ils repartent sur un projet parce que là, je vois pas où ils veulent aller. Je pense que cette saison elle est, elle est morte et voilà, oui, il faut à, attendre la saison prochaine pour repartir sur un. Nouveau cycle. On va partir sur du plus excitant. Euh, je vous lance, les gars, la première pré d'alerte de la soirée. Nous avons un transfert qui peut sembler presque minime, mais qui au final touche un contender, donc ça va nous intéresser. Il concerne Milwaukee, les Bucks qui réagissent enfin euh, face à Boston, face à Philadelphie, face à toutes les grosses équipes de l'Est qui étaient en train de se renforcer. Milwaukee tente un truc qui me surprend un petit peu. Ils changent leur meneur backup, euh, Thomas. Ils font venir Patrick Beverly des Sixers, ah. l'incroyable Pat Beverly. Euh, de, de, de Philadelphie. Qu'est-ce qu'il y a, Erwan Non, moi non plus, je ne savais pas. Il est surpris. Bah mais non, je suis surpris. Ah, pardon, excuse-moi, je crois que tu as vu notre info. Patrick Beverly, toi, qui ça. débarque à Milwaukee et il laisse partir Campaign et un deuxième tour de draft Milwaukee pour récupérer Pat Beverly. Alors, c'est quand même surprenant cette histoire, Pat Beverly, dont on disait en début de saison qu'au Sixers, il ne jouerait même pas, que c'était vraiment de la viande pour le bout du banc, etc. Et bien bah, finalement, non seulement il a joué, mais il a été bon, et suffisamment pour taper dans l'œil de, de, de Milwaukee. Et euh, Doc Rivers, c'est les siens là, et tout le et John Horst et tout le management de, des Bucks ont choisi d'aller chercher euh, leur meneur backup en la personne de Patrick Beverly. Qu'est-ce qu'on pense Très surpris de ce, ce trade. Euh, je ne comprends pas trop pourquoi les Sixers laissent partir euh, Beverly. Il avait montré de bah, comme d'habitude hein, toute sa toute sa arme, toute sa rage en sortie de banc, euh, son état d'esprit archi agressif. Euh, défenseur, un des meilleurs défenseurs, enfin peut-être plus maintenant, mais au poste de meneur dans, dans la ligue. Alors il les laisse partir pour récupérer Cameron Payne. En tout cas, c'est un beau coup pour les Bucks, qui vont récupérer un peu, un peu d'énergie, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, ils ont besoin peut-être d'un mec un peu plus vocal. On sait que, que Damien Lillard euh, n'est pas quelqu'un qui, 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 qui parle beaucoup. Du coup, ça peut leur apporter cette énergie qui manque en ce moment. Et Ouais, c'est un, un bon coup. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai du mal un peu à… Ouais, difficile à lire comme ça. Euh, je, je... Alors, campaign que c'est pas cliqué euh, là-bas dernièrement à Milwaukee, je l'entends. Ouais. De là, aller chercher euh, un vétéran comme Patrick Beverly, je suis un petit peu surpris. D'ailleurs, en parlant de meneur, c'est vrai, c'est Erwan qui me fait remarquer. J'ai dit une saucisse tout à l'heure, j'ai parlé de Théo Malédon à Charlotte. Le pauvre, ça fait un moment qu'il a ouais. Phoenix et qu'il ne joue plus d'ailleurs, euh, qui joue pas d'ailleurs euh, avec, euh, avec les Suns. Euh, Erwan, comment tu lis, toi, les Bucks qui vont chercher Beverly alors moi je le lis, euh, je le lis. Finalement, tu vois, le, le temps que vous parliez un petit peu, sur, que vous réagissiez en premier sur, sur Beverly au, au Bucks, j'ai été surpris. En fait, ça a grave de sens. Euh, je suis très surpris que les Sixers le lâchent hein, parce que il a amené une âme aux Sixers, je trouve. Et il a, je l'ai vu dans des attitudes, dans des huddles, Enfin, ce qui sait faire un hein, tome tu l'as, tu l'as parfaitement dit. Mais les Bucks aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir euh, plus que d'avoir du talent. Ils ont besoin d'avoir, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont capables de se mettre un petit peu les, les Coronés par terre, qui qui sont, qui ont besoin d'amener une âme. Tu parlais d'énergie Thomas, mais moi je vais aller plus loin. Je vais aujourd'hui les Bucks ont besoin d'avoir de... une âme. Ils n'ont pas d'âme. Cette équipe elle a pas d'âme. Et on a vu que c'est pas Doc Rivers qui a, qui a amené une âme. Hein. Il a amené oui son côté politique, son petit sourire, son dégradé toujours soin en conférence de presse, mais il a rien changé pour l'instant. Et les Bucks c'est une équipe qui ne défend pas. C'est une équipe qui ne défend pas, qui ne veut plus défendre. Et j'ai l'impression que ça convient à tout le monde. Et ça et ne ça marche ça pas. Alors oui les résultats sont bons parce que enfin sont corrects et aux attentes parce que c'est une équipe où il y a du talent: Lillard, Antetokounmpo, Brook Lopez, Middleton, si vous voulez. Mais on sait très, là tous on les regarde et c'est pour ça aussi qu'ils ont changé de coach. Qui les imagine aujourd'hui être champions comme ça? Pas grand monde. Et je pense que ce qui fait des fois des bascules dans un groupe, c'est des mecs comme Pat, comme Pat Beverley. Et je pense que les, les, les Bucks ils sont allés le chercher, c'est que encore une fois, ils doivent voir les mêmes choses que nous en se disant. Non, il, nous, il nous manque un connecteur. Il nous manque un, un mec pour mettre un petit peu l'étincelle. Ils sont tous dans leur confort. Yanis euh, fait du Yanis, il prend, il masque beaucoup de choses. Lillard, bah, il prend des coups de chaud, il met quatre, cinq, six paniers à trois points. Du bas aujourd'hui Lillard ça allait. Et puis quand il est moins mal, quand il est plus maladroit, on dit ah, bah, ça allait moins bien. Voilà. Il y a, il y a cette équipe et on l'a déjà dit euh, sur la Wuna TV, je l'ai déjà dit sur First Team. Cette équipe pour moi des Bucks cette année n'a pas d'âme. Avec Adrienne Griffin elle n'avait pas d'âme. J'ai l'impression qu'avec euh, Doc Rivers c'est pas mieux. Et aujourd'hui, ben, ils sont allés chercher un mec qui, va, qui, à un moment donné, va être capable, tout Yanis qui sont, tout Damien Lillard qu'il qu est, de, dire, de mettre des branlés dans des huddles, de, mettre, de, de, mettre, de pousser des gueulantes dans des vestiaires. Et je pense que c'est ce qu'il faut à cette équipe, revenir un petit peu à des principes. Et, euh, et, et Beverly, pour moi, n'est pas un grand talentueux. Par contre, sur les fondamentaux de, de, du hustle, comme ils adorent dire, il est là. C'est son, son fond de commerce. Et je crois qu'ils ont besoin de ça. C'est un très bon coup. Ça n'explique pas pourquoi les Sixers ont lâché de l'autre côté. C'est une autre histoire. C'est bien parce qu'Erwan, tu, tu relis les deux points que je voulais faire. Le premier, c'est qu'au final, moi aussi, pareil, en prenant le temps, là, les quelques secondes de réflexion, en fait, je comprends assez le move parce qu'on a quand même dit ah, que Milwaukee, le, le problème, c'était la pointe défensive. C'était que bah, Lillard tout talentueux qu'il est, bah, c'est pas en défense ce qu'on peut attendre d'un champion NBA. Donc mettre les Beverly à côté, je l'entends, ça a du sens. Euh, la Grinta, Erwan en a parlé, ça marche très bien, évidemment. Moi, ce que je comprends pas, c'est ces deux équipes qui font un trade, en fait. Je comprends pas deux, deux, deux adversaires directs dans la lutte à la conférence S. Qui, ils savent très bien Philadelphie qu'en faisant ça, ils renforcent Milwaukee. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont chercher en plus en allant prendre campagne Est-ce qu'ils ont besoin de Cameron Payne Je ne comprends pas le, le, le move de Philadelphie là-dedans, qui en plus alors, a été cherché, on l'a vu juste avant Buddy Hill avec les Pacers. Bon, ça, ça apporte du scoring, on en a parlé, etc. La défense pose quand même question. Euh, là, maintenant, ils laissent filer Beverly pour prendre campagne. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient très envie de faire jouer campagne euh, Philadelphie aujourd'hui. J'ai du mal à comprendre le point de vue des Sixers là-dessus. Euh, si quelqu'un a une idée, euh, je ne sais pas. Moi, très surpris. Hein, je l'ai vu faire des super matchs cette année à Beverly quand il y avait des absents et en sortie de banc aussi. Voilà, Il apporte. Euh, je, pense que, je pense que vous avez tout dit. Il apporte du caractère à une équipe et c'est un mec qui est capable de gueuler sur n'importe ouais. qui, vraiment, mais gueuler avec la bonne énergie, de dire à sa star euh, défends, replie-toi. Et c'est ce qu'il va apporter aux Bucks. Mais alors, euh, je comprends pas pourquoi les Sixers euh, lâchent Beverly. Et bravo en tout cas aux Bucks hein, de l'avoir récupéré. Ouais, c'est un super move. Erwan, est-ce que tu as le, je sais pas, le moins de début de compréhension de, 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 de la motivation des Sixers derrière ce move-là La seule compréhension que je peux avoir, c'est que je leur donne encore une heure une heure quinze pour nous donner pour nous donner peut-être une explication peut-être qu'ils sont sur autre chose peut-être que je sais pas il y a malcolm Brongdon qui était qui faisait partie des rumeurs aussi côté côté sixers donc euh, voilà aujourd'hui Rémi, là à, à, à l'instant t je peux pas te donner d'explication parce que je suis comme vous je reste pas oh, en tour devant ce choix des, des des sixers mais par contre je leur donne une heure et quart peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui on ne voit pas qu'à ce moment là on ne voit pas mais j'espère qu'ils vont, qu vont continuer à bouger, que Cameron Pay ne sera que de passage, mais surtout qu'ils vont combler le, le, le départ, le départ de, de, de Patrick Beverly avec, avec un, un talent supérieur. Je, je pense à Michael Brangdon. Euh, ce que tu me dis, Arwan, on va voir si les Sixers en effet arrivent à faire ce move-là. On, on comprendra. Pour l'instant, en tout cas, c'est un petit peu plus flou. Euh, on laisse pour l'instant Patrick Beverly et les Bucks. Et je vous annonce une nouvelle trade alert, messieurs. Euh, ouais qui n'est d'ailleurs pas réellement à trade mais qui va nous concerner nous directement, c'est un joueur qui est libéré ah. de son contrat et c'est Kylian Hayes ah, qui est, est libéré vrai. par les Pistons oh, de Détroit. Et alors ça c'est quand même une surprise parce qu'on attendait un transfert, ça a parlé de Memphis, ça a parlé d'histoire de tour de draft, second tour de draft peut-être en échange, Kylian qui était complètement sorti des plans euh, de, de, de la franchise des Pistons, hein, on l'avait compris clairement cette histoire-là, mais là lire qu'il est simplement, euh, waived, comme on dit, il est, il est libéré de sa fin de contrat, il avait trois mois de contrat encore avec les Pistons, on va lui payer ces trois mois, lui dire c'est bon, terminé, ciao, merci, au revoir. Fini pour Kylianes, qui aujourd'hui, à l'instant T, il sera peut-être signé, on va voir, n'est plus un joueur NBA. En tout cas, il est libéré par les Pistons, Thomas. Ah, C'est fou parce que ça en dit long sur l'estime des Pistons on est au sujet de Kylian. Alors, on sait qu'honnêtement, il a eu sa chance depuis 4 ans. Il a eu du temps de jeu, il a eu des responsabilités et ça n'a jamais fonctionné à l'arrivée. Ils lui ont donné toutes les responsabilités qu'il fallait et. Il finit par être libéré euh, gratuitement. Ça veut dire qu'en fait, ils n'en attendaient rien en retour et qu'apparemment, sur le marché, personne n'était prêt à échanger contre lui. Du coup, ils, ils lui ont dit écoute, on te laisse libre, euh, va essayer de trouver une équipe, fais ce que tu veux en gros. Mais c'est une grosse déception quand même pour Kylian Ace euh, qui est arrivé euh, drafté assez haut 7ème sept, en, haut, en septième. NBA. On a, on a beaucoup cru en lui, il avait le profil. Et puis finalement, il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe de Détroit en plus, où, où il avait zéro ouais. concurrence au début. Donc, quel échec en tout cas, excusez-moi pour les philosophes des réseaux, il hein, faut pas trop dire échec apparemment. Ah bon Mais là, euh, vraiment, c'est dur pour lui. J'espère qu'il va trouver ouais, ouais. un point de chute parce qu'il mérite, c'est un bosseur, il est encore jeune. Donc euh, j'espère de tout cœur qu'il va trouver une équipe. Bah, on espère tous. Ça reste un Français à haut potentiel qu'on espère voir peut-être un jour en équipe de France. Là, euh, le constat est terrible. T'as raison, c'est un échec évident pour Kylian Hayes drafté hyper haut, qui a toujours eu la confiance de ses coachs ouais, là-bas. Ouais. Euh, il, il, enfin, je veux dire, depuis le début, euh, même Monty Williams, là, quand il arrive cet été, voulait le faire jouer. Clairement. Euh, lui a donné sa chance. Euh, il a profité en plus de, de c'est le sport, hein, de blessures des autres. Euh, Kay Cunningham qui a été blessé, Jade Davis cette année qui a raté des matchs aussi. Et pourtant, bah, il est sorti de la rotation au point d'être libéré comme ça. Euh, je sais pas. Quel avenir maintenant Vous commencez là dans le chat à spéculer un petit peu. Kylian Nays aux Spurs, c'est vrai que maintenant on a envie de voir tous les Français aux Spurs de toute façon depuis qu'il y a Victor. erwan, j'en sais rien. Tu vois ça comment Au-delà de l'échec, toi, tu vois Est-ce que c'est encore un joueur NBA pour toi, Kylian Je vais dire oui quand même parce qu'il est jeune. Mais par contre, lâcher un contrat, faire un buyout, un joueur dans son contrat rookie comme ça, qui est drafté septième, pour moi, c'est un terrible, terrible, terrible désaveu. Le message envoyé est terrible. Honnêtement, aujourd'hui, là, le message envoyé est terrible. Et on peut d'ores et déjà dire que la première partie de carrière NBA de Kylianese, elle est ratée. Alors, les raisons, on n'est on on pas, pas dans les bureaux des, des Pistons. On sait que c'est une franchise euh, qui a beaucoup de mal à, à, à se reconstruire, qui, qui bosse peut-être pas très bien. Donc, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Le fait est que, pour l'instant, la, la, la première partie de carrière de Kylianese, elle est, elle est ratée. Se faire couper comme ça, pour moi, c'est un désaveu terrible. C'est un désaveu terrible. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas réussi à aller trouver une monnaie d'échange. Si on tire un petit peu la, la ficelle un peu plus loin, on peut se dire que peut-être sur les 29 autres franchises, il n'y en a pas une qui s'est dit, tiens, je vais tenter le coup. Euh, moi, le fait qu'ils se, qu se retrouvent libres, ce n'est pas forcément euh, la, le, la, la meilleure situation pour un joueur dans un contrat rookie de se dire, maintenant, je peux signer où je veux, en NBA. Je ne suis pas persuadé de ça. Vraiment pas persuadé de ça. Et honnêtement, c'est la manière, donc... On rappelle qu'il avait demandé son trade il y a de ça dix jours, ce qui je trouvais déjà dans la communication dans, était, était, était un peu spécial quand tu t'es un jeune joueur qui a pas encore prouvé, qui est pas installé, demander ton trade c'est quand même c'est quand même un, dans, dans la com, tu, tu te positionnes un petit peu. Bizarrement, et là carrément il te coupe, ça veut vraiment dire que le, 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 la relation était largement consommée entre entre Detroit et et Kylian et le clan de Hayes. mais là qu'est-ce qu'il va faire Pour moi ça, le fait qu'il soit libre ça ouvre le champ des possibles, mais pour le coup, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et moi, je ne je, 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 je sais pas, on parle des Spurs, mais les Spurs dans leur, dans leur construction, dans leur. Oui, parce que Victor, mais pff, je ne sais pas. Honnêtement, je suis je suis plus. plus voilà, le sentiment, Rémi, qui m'habite, c'est c'est, je, je suis inquiet. Je suis très inquiet pour la suite. Cette histoire de, de Kylian écoutez, on verra bien. Il est libéré, donc c'est ça l'info de son contrat par les, par les Pistons de Détroit, qui compte plus euh, sur lui. Tiens, avant d'enchaîner sur les autres transferts du soir, je voulais vous donner une petite info marrante. Euh, tu sais comment euh, tous les insiders, là, tout le monde euh, a appris que Patrick Beverly était, tweeté, était transféré aux Bucks Non. Et eh bah ben, c'est lui-même qui l'a tweeté. C'est incroyable s'il sort, je viens de voir ça. Euh, il, est fou, il, il, est a, il est complètement fou, il a un podcast, Pat Beverly, et il a un compte Twitter pour son podcast, c'est le Pat Bev Pod. Et c'est lui qui est le premier, vous regarderez les heures, c'est lui qui a été le premier à tweeter breaking at Pat Bev to the Milwaukee Bucks. Incroyable. Erwan, t'as vu cette histoire Là, on, il écrit l'histoire, Pat Beverly. Hein. Voilà, c'est un, un personnage particulier. Aujourd'hui, les joueurs ils ont tellement de podcasts que, que je pense que c'est peut-être le début d'une du nouvelle ère. Peut-être que c'est les joueurs eux-mêmes, maintenant, via, leur, via leurs émissions, via, via leurs médias, parce que pour certains, c'est quasiment devenu des médias qui annonceront eux-mêmes leur propre. De toute façon, ils veulent prendre le pouvoir, euh, prendre le pouvoir à tous les niveaux, donc euh, médiatiquement, il n'y a pas. pas de raison. Mais oui, l'histoire est, est, ah, est plutôt est marrante. Désolé, hein, c'était quoi C'était le bagel du matin là Ah non, quoique il est midi chez vous, ça bouffe quoi d'ailleurs à midi à New York Air One <laughs> oh, J'ai pris un sandwich ghetto de fou. Ah, le jambon beurre parisien. Euh, J'étais ah bah à la oui, salle mais... ce matin à 7h parce qu'il y avait le décalage horaire, donc j'ai un peu la dalle. Donc le, le classique New yorkais Air Tu m'as sauvé ta question, donc j'avais la bouche pleine. <laughs> <laughs> Désolé, c'est moi qui t'ai dérangé là-dessus. Euh, tiens, avant qu'on enchaîne aussi, je voulais faire un gros big up à qui À Martinez, à Consta, à Choupa Choupa, à Fares Gata, euh, à Butvika, CDF, qui remporte le free bet à 10 euros. Euh, la question du jour, la première question du jour était par qui a été drafté Buddy Hill, qui a été transféré aujourd'hui Thomas, la réponse Les Pels de la Nouvelle-Orléans, qui sont ceux en effet qui avaient drafté Buddy Hill. Et Thomas l'avait dit tout à l'heure, il avait joué une saison là-bas avant de partir à Sacramento. Ouais. Il avait envoyé des ficelles déjà en tout début de carrière. Bravo à vous les gars. Euh, on lancera dans une dizaine de minutes là euh, une deuxième question free bet si vous voulez gagner des free bets, Il y en aura cinq de plus à prendre euh, tout à l'heure. Bon, on continue à parler des trades qui ont eu lieu. Du coup, euh, bien sûr, si se passe un truc en live, on se coupe euh, tous et on part sur le live. Euh, je voulais vous parler d'un trade entre Raptors et Nets Toronto qui bouge énormément à cette trade deadline. Ils sont en train de faire un grand ménage aussi, et ça concerne deux gros joueurs, en tout cas deux joueurs euh, référencés NBA. Denis schroeder euh, de Toronto part à Brooklyn en échange de Spencer Dinwiddie qui fait le chemin inverse, qui part donc de Brooklyn direction euh, Toronto. Alors je ne sais pas par euh, quel bout prendre ça. Thomas, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Brooklyn qui reçoit schroeder ou euh, Toronto qui reçoit Dinwiddie Moi bon, déjà assez surpris de ce trade, mais je pense que là la bonne opération, elle est du côté de, de Brooklyn qui va ramener un, un meneur, un vrai meneur de métier. Parce que voilà, Dimwiddie, mais pour moi, c'est plus un, un deuxième arrière. Voilà, on connaît Schroeder qui a déjà fait plusieurs participations aux playoffs, champion du monde avec l'Allemagne. MVP. MVP. Euh, c'est bien. Euh, les, les, les Nets qui, en ce moment, je trouve, ne sont, sont pas trop mal finalement. Ils ouais. gagnent quelques matchs. Euh, J'ai l'impression qu'ils essaient de construire, d'ajouter des pièces petit à petit. Et c'est un bon move. On sait qu'avoir un bon meneur aujourd'hui dans la Ligue, finalement, ce n'est pas si facile que ça. On voit pas mal d'équipes en chercher des, des, des meneurs. Euh, on va dire stable, et là c'est un Surtout bon Surtout qu'ils n'en avaient pas trop à Brooklyn, voilà, vous, vous avez vu à Paris, il hein, n'y avait ouais. pas grand-chose. Ils n'avaient vraiment pas de meneur, et bon, ils laissent partir Diwidi qui est un très bon joueur, mais qui... il leur fallait un meneur de toute façon à tout prix. Ok, euh, Erwan, toi, euh, même question, sur ce trade-là, comment tu analyses le truc Un bon move de Brooklyn, Toronto qui additionne pareil les, les assets pour euh, peut-être un futur trade, c'est quoi l'idée Ouais, aujourd'hui, Toronto, de toute façon, c'est dur de s'enthousiasmer pour, pour, pour les joueurs qui reçoivent, hein, parce qu'on sait que, de toute façon, il y a de fortes possibilités que dans six mois, il n'y a quasiment plus personne là-bas. Euh, moi, ce qui m'intéresse, ouais, comme Thomas et toi, c'est le côté Brooklyn. Euh, Brooklyn, cette année, il faut une saison un petit peu en dessous de, 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 des attentes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et je pense que tu as raison, Thomas, sur le, sur le poste de meneur. Dean c'est ce n'est pas un vrai meneur. Et puis, ce n'est pas surtout un mec qui, qui met des choses en place. C'est un, un fort joueur, mais, mais tourner d'abord avant tout vers lui. Euh, ils ont ils ont réussi à relancer Dennis Smith Jr., mais pareil, qui est un meneur euh, un petit peu explosif, qui, qui pète un peu dans tous les sens, alors ce qui fait en ce moment, c'est bien, mais il leur manque un petit peu de structure, il leur manque un mec, il leur manque un mec pour mettre les choses en place, un meneur, comme j'aime bien dire, académique. Et Dennis Schroder, eh ben, c'est ce type de meneur-là, c'est un bon meneur euh, NBA, on connaît ses limites, mais on sait aussi ce qu'il va apporter chaque soir. Et j'ai l'impression que cette équipe-là, avec tous les talents qu'il y a autour, eh ben, il manquait un mec pour mettre un petit peu de... Pour mettre un petit peu de, de, de liant dans tout ça, et je trouve que c'est un bon move. C'est une équipe qui aujourd'hui se bat pour être en play-in, peut-être accrocher un, un top 6 parce qu'il reste encore des matchs, et je trouve que faire venir Schroeder, ben c'est une bonne idée dans une équipe qui a du mal à enchaîner un petit peu les, les, les victoires, qui, qui fait, qui fait qui est un peu bien mais qui, qui devient moins bien. Et voilà, donc il vit que sur le talent. Là, avoir un mec un peu plus académique, qui sait gérer des fins de match, qui sait mettre des collectifs en place, je trouve que c'est une bonne idée en tout cas d'aller essayer Schroeder côté Nets. Ok, ok, oui, il va ok. Ramener, il, rajouter quelque chose, il va ramener de la création aussi, il va un peu libérer. Euh, euh, pas confondre. Michael Bridges, voilà, ça, ça va donner des espaces aussi à Cam Johnson, Dorian finley smith qui sont des bons shooters à trois points, mais qui ont besoin. De recevoir les ballons dans des bonnes conditions, je pense qu'il va leur apporter tout ça et comme l'a dit Erwan, ça, ça je pense ça va être un bon fit. Ils vont pouvoir là, ils sont ils sont à deux doigts du play. Je pense qu'ils vont essayer de s'accrocher pour se qualifier. Même ça va être compliqué jusqu'à la fin, mais, mais, mais pourquoi pas Ce qui est pas mal de la part de, de cette franchise déjà de les voir s'accrocher au moins parce ouais. qu'on avait on avait peur que ça lâche fort fort là avec euh, avec Ben Simmons qui joue quasiment pas même s'il est revenu avec. Euh, euh, plein d'histoires qui allaient pas la branlée là qu'ils ont pris à Paris face à, face à Cleveland bref c'est bien au moins ils bougent c'est c'est net c'est ils tentent des trucs avec la venue de Dennis Schroeder et à Toronto moi je continue de penser que tout ça ça accumule pour faire un gros trade alors soit autour de Bruce Brown là dans l'heure qui vient parce qu'il ne reste plus qu'une heure avant la fin de la trade deadline soit pourquoi pas l'été prochain en vrai ils ont pas d'urgence, s'en foutent de cette saison. Si le trade ne se fait pas là, il se fera l'été ouais. prochain, non, Thomas ouais, clairement. Et j'ai l'impression que, comme tu l'as dit, ils accumulent un peu les joueurs, les bons joueurs, ouais. pour peut-être préparer un futur trade, soit récupérer un gros joueur, soit repartir sur une reconstruction sur types, ouais. et récupérer des premiers tours de draft. Alors à voir ce qu'ils veulent faire, mais là, aujourd'hui, je pense que Toronto on n'en entend plus rien. Ils ne feront sûrement pas les play-in donc à voir est-ce qu'ils vont, comme tu l'as dit, se presser. Là, je vois pas spécialement l'intérêt, à part si vraiment il y a des bonnes choses qui arrivent pour eux, ouais. ou bien attendre cet été tranquillement, voir un peu le marché. Ouais. bon, on verra ce que, ce que décide les Raptors. Tiens, avant qu'on vous fasse un petit récap de tout ce qui se passe à 20h, là, dans 3-4 minutes, euh, je voudrais vous donner une info qui nous vient de Chris Heinz, qui est en général bien euh, informé, qui nous parle des Lakers de, de Los Angeles. Euh, je vous lis à peu près euh, son info, selon lui, Chris Heinz. Les Lakers devraient rester tels qu'ils sont à cette trade deadline et ne ouais. pas bouger, euh, avec le potentiel d'aller chercher une autre star l'été prochain, une fois qu'ils pourront, euh, ils peuvent pas là maintenant, mais ils pourront l'été prochain, euh, utiliser trois premiers tours de draft à délai. Euh, Est-ce qu'on comprend ce, ce move, Thomas bah, C'est un peu l'effet de l'amour à aider à c est, au début, ils voulaient trader Russell. Enfin, ils étaient sur la liste des transferts Russell et Ashimura. Finalement, Russell a un peu step-up ces derniers temps même ben beaucoup. Ouais. Et il se dit qu'ils veulent garder cet effectif parce qu'ils ont fait un beau run l'année dernière en play-off. Et, et je pense que. Je pense que surtout, ils n'ont rien de mieux à aller récupérer. C'est surtout ça, en fait. On sait qu aussi c'est de la com, c'est un peu un jeu, un jeu de poker. Je hein, crois qu'ils n'ont la... rien trouvé de, de voilà, ce qu'ils il vraiment... qu voulaient vraiment. Alors, il y a la rumeur d'Onovan Mitchell pour cet été, apparemment. Ouais. Voilà, Il serait sur les tables. Enfin, il, faut, il, fait, il fait partie, en tout cas, des rumeurs. Et comme tu l'as dit, est-ce que ça sert à quelque chose de forcer tout de suite. Euh... Pour un trade, je ne pense pas, en tout cas pas s'ils ont quelque chose d'intéressant, peut-être comme des gens témorés. On sait qu'on a beaucoup parlé. Apparemment, ils ont déjà fait une offre aux Hawks qui, qui a été refusée. Exactement. Donc maintenant, on sait qu'avec le Brown James, tout est possible. Et peut-être que les joueurs, après la trade deadline, vont se, 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 se libérer et vont être soulagés de rester aux Lakers et enfin pouvoir… Finir la, la, la saison en beauté à voir. Bah, c'est sans doute le pari en tout cas d'Europe de Pelinka, tu as raison. Enfin, je, je le lis comme ça. Moi, Erwan, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu pas peur que cette histoire On, on sait que Lebron mettait un petit peu la pression en coulisses pour aller chercher du renfort. Est-ce que, euh, est que tu crois au revival des Lakers dans cette deuxième partie de saison avec l'effectif tel qu'il est Ou est-ce que tu penses que bah, c'est une erreur et qu'ils auraient dû bouger J'aime l'idée quand même dans le, dans le sport de haut niveau et dans le sport collectif notamment de la stabilité. Euh, et je rejoins, je peux rejoindre la théorie de Thomas de dire que voilà, maintenant la trade deadline passée pour certains, de se dire ok, je vais finir la saison Lakers. Ils, ils, ils nous font confiance, ça peut aussi libérer certaines choses. Il n'empêche que cette équipe des Lakers elle a des manques. Elle a des manques sur des tirs, sur des joueurs, euh, sur des joueurs qui mettent des tirs extérieurs. C'était déjà un petit peu l'année dernière. Rob Pelinka avait été était intervenu il y, a, il y a un an sur la trade deadline, il avait fait de, de très jolis coups. Mais cette année, on voit les Lakers euh, être capable d'être plutôt bon. On voit que les Lakers être capables d'être pas bon aussi, mais la constante dans tout ça, à chaque fois, c'est que c'est une équipe qui manque de shooters extérieurs. Et aujourd'hui, dans le basket moderne, avoir des mecs quand même capables de mettre des grandes filoches avec les espaces que que crée LeBron James notamment. Donc moi, je j'aime l'idée de, de rassurer peut-être les gens de jouer la stabilité. Il empêche qu'il y a des manques dans cette équipe là qui ne peuvent pas être, qui ne seront pas comblés s'ils ne bougent pas. Alors oui, Russell et va beaucoup mieux depuis ces derniers temps, mais on sait que c'est un joueur qui qui fonctionne qu'à l'orgueil. Donc, oui, là, la trade deadline euh, va passer. Il va se dire Ah, ben, c'est bon, je ne vais, vais plus bouger. Et on reparle, si vous voulez, on reparle de Gian Giello Russell dans, dans, dans trois semaines. Et surtout, on en reparle en play-off. Hein. Ah, toi, en tant que fan de l'écart, Rémi, euh, t'en es où, là, vis-à-vis d'eux Qu'est-ce que t'en penses Moi, je, et je crois que de mémoire, Thomas euh, Dufan était un peu comme moi. Euh, je, bah, on connaît ça dans le basket européen. Et toi, tu connais ça, euh, Thomas, mieux que moi. Euh, on connaît les mecs au moment où ça parle de toi, quand t'arrives en fin de saison, qu'il faut ouais. négocier les contrats, qu'il faut tout ça. <laughs> les Boris mecs, Gio, quoi. <laughs> et pour Isio, par exemple. Euh, et ben, j'ai l'impression que D'Angelo Russell euh, en version négative, c'est un peu ça. Et comme par hasard, quand il est sous le feu des projecteurs, qu'on parle de lui, qu'il va être trade qu'on que on se souvient de l'image, on le voyait avec la petite larmichette sur le banc, on se demandait ce que ça voulait dire, etc. Euh, ah, il est attaché aux Lakers, le pauvre, il veut pas partir, etc. Ben, ça, il s'est mis à performer. Je suis un peu comme Erwan. j'ai un peu peur qu'on se fasse douiller tous en fait par cette histoire, tu vois. Et, et je suis pas persuadé que. Hum, ah, écoute, s'il emmène ses Lakers en meneur à 20 points de moyenne jusqu'à la fin de saison et qu'il les emmène en play et qu'ils font un run, très bien. My apologies, je m'excuserai. Voilà, mais je ne suis pas sûr de ça. Moi, je ne sais pas. Je vois ça quelque part comme un, signe, un signal positif dans le sens où eh ben, là, on se rend compte que LeBron James ne fait peut-être pas totalement la loi aux Lakers comme on l'a longtemps cru. Euh, tu vois, en mode, il, a, il mettait la pression pour faire des transferts. Alors peut-être que c'est le scénario basique que tu nous dis, toi, qu'ils n'ont juste pas eu d'opportunité. Ah ou euh, simplement Pelinka a voulu aussi euh, dire euh, je vous ai construit cette équipe je pense qu'elle peut fonctionner continuez avec ça euh, je ne sais pas euh... ouais, on, a, on a appris apparemment qu'il y a des grandes chances que Vanderbilt euh, ne, ne joue plus ne joue la... plus cette année ne, ça de... par contre c'est un coup dur voilà ensuite pour revenir vite fait sur Russell on sait que c'est un joueur ultra talentueux mais à chaque fois en playoff pour moi il n'a pas le niveau pour porter une équipe jusqu'au titre on l'a vu l'année dernière ça a été difficile pour lui pendant le run des playoffs. dès que ça s'est un peu corsé ouais. surtout contre les Nuggets et après, je ne sais pas, je pense qu'on a tous eu cette idée qui nous a traversé la tête quand on a parlé de shooter. Bien sûr, je pense qu'on kifferait tous que Evan prenne un buy-out oh et, oui. et atterrisse au, au Lakers. Ce serait fantastique pour lui de, faire, de jouer au Lakers, premièrement, et de jouer le LeBron James surtout. Enfin, ça serait un vraiment incroyable. un truc incroyable. Donc, on, on lui souhaite de tout cœur, en tout cas. Bon, on verra pour cette histoire-là. Euh, il est 20h passé de deux petites minutes pour ceux qui nous rejoignent. Salut les, les copains. On est en live avec la First Team dans Clutch sur la Wina TV pour euh, cette trade deadline NBA depuis 19h jusqu'à 21h. On vous débriefe tout ce qui se passe en direct. Dès qu'il y a un transfert, on vous l'annonce en live et on essaye d'analyser ça un petit peu, vivre ça tous ensemble. Vous venez discuter avec nous dans le chat, mettre vos messages. Si vous voulez qu'on parle d'une équipe, d'un joueur, n'hésitez pas. On va essayer de, de faire un tour assez complet euh, pour vous remercier d'être avec nous en live. Deuxième question Freebet de la soirée, ah. euh, Thomas. Cette fois, elle concerne encore les Pacers, puisqu'il y a eu des transferts cet après-midi. Qui est le meilleur marqueur de l'histoire des Pacers Facile. Ça va Non. Ça va, hein Pas si dur que ça. A priori, euh, essayez de trouver ça. Sans Wikipédia, normalement, vous devez la trouver, celle-là. Euh, on vous mettra les options dans le, la homepage, sur la homepage de Wina. Vous mettez votre réponse. Les modérateurs tireront au sort 5 free bets de 10 euros à gagner euh, dans cette deuxième heure d'émission spéciale, spéciale, pardon trade deadline. Et puisque je suis sûr qu'il y en a plein qui nous rejoignent, Thomas, je propose qu'on refasse un petit point sur le, le trade qui nous a marqué nous, euh, français que nous sommes. Et la grande nouvelle de la journée, c'est Kevin Fournier est donc libéré par les Knicks de, de New York. Je vous l'apprends peut-être. Trade monté avec Detroit, les Pistons qui envoient. Bojan Bogdanovic, Alec Burks à New York, New York qui envoie Evan, donc Quentin Grimes, Malakai Flynn qui aura fait un passage rapide après Toronto, euh, Archie Diacono et deux second tours de draft, on peut revenir là-dessus pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route Thomas, euh, on est juste ravis de voir Evan libérer des Knicks, euh, même si on ne sait pas encore s'il jouera réellement à Détroit voilà il va falloir y aller étape après étape. Mais la première action, c'est qu'on est content enfin qu'il sorte de, cette, de cet enfer euh, oh bah oui, qu'il a vécu au Nice. C'est horrible en tant que joueur. Après, on entend souvent, ouais, mais il gagne temps. Mais c'est horrible. Quand tu oui, joues pas voilà. dans un sport que, que, que tu aimes, pour lequel tu as joué toute ta vie et tu es passionné, c'est horrible de rester sur le banc ça. Euh, comme ça. Donc, déjà, très content pour lui. Et après. La situation idéale, ça serait un buyout et qu'il atterrisse dans une équipe contender. Après, s'il reste à Détroit et qu'il a du temps de jeu, c'est bien aussi. Il va pouvoir retrouver des sensations avant les JO. Donc, dans, dans les deux cas, ça peut être un gagnant-gagnant. Euh, Evan Fournier est donc libéré par les Knicks. Surtout les Knicks, Knicks ouais, bien sûr. Les, les... Et ouais. Alors on va en parler des Knicks aussi. Euh, du coup, on finit sur l'épisode Evan et Erwan. Du coup, je te demande à toi, euh, comme on en parlait tout à l'heure, ton avis. Euh, J'imagine que ça a pas bougé depuis tout à l'heure. On n'a pas plus d'infos sur éventuel buyout ou pas non, non, non. Je non, malheureusement, j'ai pas encore le, le, le réseau de, de Chris heinz ou d'autres. Donc, euh, donc non. Mais moi, j'espère vraiment. J'espère vraiment. Je vois pas pourquoi Détroit trois le garder trois mois. Euh, je, je, encore une fois, en, je le disais tout à l'heure, ils vont pas. Je vois pas non plus Evan aujourd'hui au moment de sa carrière. Thomas le disait euh, ce qu'il vient de vivre, c'est très dur depuis un peu plus d'un an. Je pense pas qu'il a envie d'arriver au, au Pistons en disant ben moi j'ai un peu plus d'expérience que vous les gars faut gérer ça comme ci comme ça non Evan aujourd'hui il a envie de jouer il a envie de manger du terrain il a envie de manger du ballon donc euh, donc voilà évidemment que l'idée de d'un buyout et de le voir arriver dans une équipe comme les Lakers ou ou autre équipe euh, qui qui les à c'est bien plus excitant j'espère que Detroit aura l'intelligence euh, de le libérer de son contrat voilà j'espère qu'on n'est que à la moitié du chemin euh, pour Evan sur cette sur cette deadline et sur cette fin de saison ça peut bouger encore parce que ça, tiens, je vous le donne l'info euh, qui peut être utile pour certains. 21h, c'est la trade deadline officielle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de transfert NBA jusqu'à la fin de saison. Mais les buy-out existent toujours. C'est-à-dire que jusqu'à, je plus, je crois que la date, c'est la veille de la fin de saison régulière ou je ne sais plus exactement, vous pouvez libérer des joueurs de leur contrat comme Kidaneis vient de l'être là par exemple. Et surtout, Rémi, Evan, il a une année en option qui peut activer, c'est ça C'est ça Ah non, c'est une bonne question. C'est une team option. Ah, c'est une team option, d'accord. c'est une team option avec l'ENIX qui existe toujours du coup dans son contrat aujourd'hui. D'accord, d'accord, ok. Donc le buy-out est plus que plausible. Parce que là, pour le coup, déjà qu'on a du mal à le voir trois mois, à Détroit, L'année prochaine. Et ça juste pour répondre encore... à Rouen, non, je ne le voyais pas quand je disais euh, accompagner les jeunes, ce n'était pas non plus un assistant coach, les... c'était juste voilà, être autour un peu, euh, voilà, les donner des petits conseils euh, et bien sûr avoir du temps de jeu et comme oui, mais... tu dis, envoyer des grosses filoches. C'était surtout ça, moi, je me C'est oui. le seul point positif que je trouvais oui. à Détroit, c'est jouer sans pression, reprendre du rythme. Après, est-ce qu'il a envie de ça Il a peut-être aussi envie de jouer pour une équipe qui a des ambitions. Tu voulais répondre à Rouen Même Détroit, même Détroit s'ils a... attendent ça, des vannes, ils rien compris. Aujourd'hui, Evan, je ne te dis pas qu'il qu qu ne veut pas l'être. C'est c'est plutôt un mec qui, éloquent, qui sait parler, qui connaît le jeu. Aujourd'hui, Evan, il n'a pas envie d'avoir ce rôle-là. Je pense qu'il… Evan, on est tous d'accord, a, il a envie de jouer. Voilà, donc si Trois attend ça d'Evan, c'est qu'ils n'ont rien compris. Mais comme ils ne comprennent rien depuis, depuis deux ans, donc c'est possible, on ne sait jamais… Euh, bon en tout cas c'est déjà une terrible épine du pied qu'on s'enlève là pour l'équipe de France aussi euh, en prévision des JO euh, Le malaise immense qui s'annonçait là si Evan ne jouait pas jusqu'à la fin de l'année Bon là a priori on devrait pouvoir y couper parce qu'on peut espérer qu'il se remette à jouer un petit peu Un mot sur New York quand même du coup pour ceux qui nous ont rejoints Les Knicks qui font un gros coup et qui font venir Alors Alec Burke c'est pas mal mais surtout Bojan Bogdanovic Ils ont un sniper vétéran réputé euh, installé en NBA C'est un gros coup euh, Thomas qu'ils font là Ouais, pour pour l'instant, les Knicks, les grands gagnants avec Dallas, je dirais, okay. de, de, de cette trade. Pour l'instant, en tout cas, ils voilà, il récupèrent euh, bah, de la profondeur de banc déjà et surtout avec Bogdanovic, voilà, un, un bras incroyable, peut-être un des plus gros bras de la NBA, capable de faire des cartons. Il a déjà l'expérience des playoffs. Il, a fait... voilà, il, va, il va rester dans son corner. Il a pas mal de jeux sans ballon. Il rapporte aussi de la taille, du, du, du physique. Et toute son expérience, qui mmh. pour moi peut vraiment matcher avec Randall Brunson. Enfin, quand Randle lâche la balle, hein, bien sûr. <laughs> ça arrive. Mais bientôt, sinon, euh, <laughs> voilà, vraiment, on sait que là, ils étaient un peu à court parfois euh, sur certains matchs de profondeur. Là, avec Burke et, euh, et Bogdanovic, ils s'offrent euh, de quoi rêver. J'ai envie de dire, peut-être aller jusqu'en bah, ouais. finale de conférence. Ça, ça serait déjà euh, un premier pas. C'est déjà incroyable. Erwan, tu rêves un petit peu là du? Ah, coup? il doit rêver celui-là, oui. Eh ben, arrête, me dis pas, me dis, arrête de me dire que je rêve parce que sinon je prends mon ordi, je me fous dans mon lit, je finis l'émission dans, 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 dans mon lit. Et très bonne literie d'ailleurs, euh, très bonne literie, je tiens à le dire dans l'hôtel du euh, Rêver, oui, ça veut, ça, veut, ça veut tout dire. Et puis euh, toi Rémi, euh, supporter de, de foot que tu es, tu sais que rêver trop grand ça porte malheur. Mais, euh, mais en, tout cas, je trouve, euh, en tout cas, je trouve ça cohérent. Je trouve ça cohérent, tout ce qu'ils font depuis, depuis, depuis trois mois. Comment ils arrivent aussi à, autour de Bronson qui, depuis deux ans, est devenu un un des meilleurs meneurs NBA, un joueur All-Star, eh ben, comment aussi ils arrivent à, à, à donner des, des outils à, à ce joueur-là pour que pour, pour cette équipe-là puisse progresser. Parce que c'est bien beau, de, de, ils avaient fait un super coup avec Bronson. Moi, le premier, j'étais pas convaincu. Mais aujourd'hui, ben, ça, c'est un des, un des super coups qu'ils ont fait il y a deux ans. Mais maintenant, derrière, il faut il faut être capable de, de, de l'entourer. Il faut être capable que ce mec-là puisse projeter à moyen et long terme pour pouvoir gagner. On sait que ça c'est quelque chose en NBA, les mecs veulent gagner. Et je trouve qu'avec le move d'Anunobi, euh, il y a quelques semaines, quelques mois, qu'avec ce move là aujourd'hui, eh ben tu gagnes de la profondeur, tu gâtes du talent. Et, en, et, et je me dis, tu vois, que ben qui va vouloir prendre les Knicks en play off euh, cette année bah, pas grand monde au final, pas grand monde. Donc voilà, j'espère que maintenant qu'il y a une infirmerie quand même assez pleine, hein, parce que Branson s'est tordu la cheville il y a deux jours, Randall est blessé à l'épaule, Anunobi a raté quelques matchs aussi ces derniers temps. Il y a une infirmerie qui est qui est, qui est un petit peu qui est un petit peu pleine. Mitchell Robinson ne devrait pas revenir avant avril. Jericho Sims aussi est blessé dans une moindre mesure. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui se passe en ce moment chez les Knicks, c'est assez rare. et assez positif pour être souligné. Donc oui, messieurs, laissez-moi rêver. Mais Erwan, on est ravis que tu rêves. On est ravis que tu fasses de beaux rêves, que tu que tu sois heureux. Tu sais quoi On veut juste que tu sois heureux. On veut ton bonheur, Erwan. C'est tout ce qu'on veut ici. Ben, S'il y en a d'autres qui pouvaient penser comme toi, Rémi. <laughs> bon, euh, très bien. Boyan Bogdanovic qui débarque dans Conix, qui apparemment, euh, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, il y a une heure en tout cas, essayait toujours euh, de, de faire Bruce Brown en plus de, de la part de, de Toronto. Ils sont gourmands, ceux euh, donc. Ils ont l'air hein, un petit peu les Knicks <laughs> en ce moment de vouloir beaucoup de choses cette année. Euh, parlons des contenders tiens, de cette année. On va rester à l'Est. Euh, ça se renforce à plein de niveaux. Alors ça, c'est un trade qui date d'hier, mais qui mérite d'être souligné, qui peut sembler à la marche comme ça. Euh, Xavier Tillman, le pivot de Memphis, qui est un backup installé en NBA, qui avait beaucoup de temps de jeu cette année avec les blessures de multiples à Memphis, de Steven Adams, de Brandon Clark et compagnie, débarque donc à Boston en échange de deux secondes tours de draft. Les Celtics, dont on disait, c'est la meilleure équipe de NBA, je rappelle ouais. le bilan, dont on disait, Thomas, que leur point faible, c'est peut-être justement la densité intérieure. C'est peut-être un move malin, ça. Ah ouais, c'est un super move. Moi, je l'avais enfin, surtout découvert la dernière aussi pendant le run de playoff contre les Lakers, il avait sorti une super performance face à Anthony Davis à 23-13. Et voilà, on sait que les, euh, les Celtics avaient besoin de viande à l'intérieur. Ils ont Porzingis, Orford, qui se fait quand même un peu vieux, on n'est pas à l'abri d'une blessure, Bien Porzingis sûr. non plus. Et donc il fallait derrière euh, ramener... Euh, des, des muscles, de la verticalité aussi. On C'est quelqu'un d'assez juteux, capable de finir près du cercle. Honnêtement, c'est un très bon joueur. Voilà, il n'a pas des stats incroyables, mais c'est un, une super recrue pour Boston. Ça va encore les, leur faire passer un cap, je pense. Et il ne faut pas, pas sous-estimer ce move. Vraiment, là, bon coup pour les Celtics. Ouais, je suis assez d'accord. J'aime beaucoup ce qu'ils euh, qu font là. Ça rajoute de la densité intérieure, le truc qui leur manquait. Ça se part à des blessures. Ça euh, montre surtout l'ambition qu'ils ont. Et je trouve euh, qu'on comprend ce que fait. Euh, merde, comment il s'appelle, l'ancien coach là, qui est passé de. Euh, Brad Stevens. Stevens, merci. Brad Stevens. Des Celtics. <laughs> Putain, je suis euh, sur le bout de la langue. Euh, ça Mais montre clairement. <laughs> Il est mort de rire. Tu m'entends ah, ouais Oh merde Comment il s'appelle Ah oui, mais je sais plus. Ça me, des fois, on, on se fait vieux, ma bonne dame. Oh et donc, ça montre ça. que, pour une fois, je veux dire, c'est très lisible ce que fait Brad Stevens. On est tous d'accord avec lui. et J'ai l'impression que ça n'a pas toujours été le cas dans ses recherches de coach, dans ce qui s'était passé avec Kimi à l'époque, etc. Euh, on pouvait remettre en question un peu le management de Brad Stevens. Là, je trouve qu'on a un choix clair, facile à faire, évident. Euh, je suis surpris que. Memphis laisse filer Tillman qui coûtait pas très cher et je me dis qu'à l'avenir pour la construction de cette équipe ça pouvait être ouais. sympa d'avoir cette pièce là. Surtout après avoir perdu euh, Steven Adams. Alors en plus euh, qui est parti, tu as raison, euh, à Houston c'est ça qui est parti je crois euh, Ouais, ouais, c'est ça. ça c'est Houston qui a été tradé, lui qui jouera plus ouais. de toute façon. Euh, je suis assez surpris qu'il le laisse filer mais c'est un super coup de la part de Boston. Erwan il se renforce les 6 avec, euh, avec Tillman Clairement, clairement. C'est tout à fait ce type de joueur dans des runs pour aller gagner un titre. Qui font des différences, moi je peux pas m'empêcher de repenser euh, au Celtics. La dernière fois, où ils gagnaient un titre. Alors évidemment, il y a Paul Pierce, il y a Garnett, il y a Ray Allen, il y a Rajon Rondo, mais il y a aussi Glen Baby Davis. Il y a aussi D'Leon Po. Et c'est des profils comme ça qui sont très 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 Celtics. Hum, euh, fitable vous, vous m'avez compris dans l'idée et, et puis il manquait de viande à hein, un moment donné euh, les, euh, les Celtics cette saison il manque clairement de viande on sait qu'il y, qu y a Porzingis mais qui aime bien aller au large alors avec sa taille il compense un petit peu son manque de, 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 de charbon mais ça reste quand même pas un mec qui aime aller, euh, qui aime aller trop à la mine ils ont sorti ce euh, Nemias Keta qui est un bon charbonneur mais qui sort un petit peu de nulle part et on sait qu'en playoff il faut de l'expérience donc clairement il y avait un manque sur un petit peu le côté, le côté euh, physique costaud sur le sur les, sur les luttes et ben Xavier Tillman, c'est un joueur qui est, pas, qui est pas très vieux encore. Euh, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur gaillard. Il jouait à il jouait au Garden il y a deux jours quand je suis allé voir Evan. Crois-moi que je l'ai croisé dans les couloirs. C'est un buffle, mon ami. C'est une commode Louis XV. Le truc, en, en, est, il est donc ils ont, ils ont besoin de ça. C'est un mec qui est en maladie qui est capable sur des matchs à peine de sortir un 23 et 12 face à un des meilleurs défenseurs NBA. C'est un très bon move de la part des Celtics et tous les, tous les bons moves ne sont pas toujours euh, autour de futurs all-stars de shooters de ci de ça Ils sont aussi par des fois par des, par des soutiers par des mecs qui vont à la mine et Xavier Tillman est le parfait complément euh, à cette équipe des Celtics qui leur manquait clairement pour rebondir sur mmh. ce que dit euh, ce que dit Arwen il a tellement raison moi depuis des années je me bats un peu pour pour expliquer qu'on a, on a besoin de ces petits role players sur 10-15 minutes, c'est énorme ouais. dans un match 10-15 minutes. C'est important d'avoir des joueurs qui sont capables, à minima, de maintenir l'équilibre pour l'équipe sur 10-15 minutes. Et lui, c'est ce genre de joueur qui va rentrer et qui, même sur certains matchs, va pouvoir faire la différence, va sortir une petite perf de temps en temps. Peut-être qu'on aura un moins beau Orford ou Porzingis, bah ben lui, il va step up sur ce match-là, sur ce match-là. Et c'est vraiment en rajoutant des joueurs comme ça de qualité en sortie de banc qu'on peut espérer aller jusqu'au bout. Donc super coup. Euh, pour les Celtics. Ouais non c'est intéressant Xavier Timan bien sûr à Boston tiens on a un viewer Matt qui nous dit que Erwan veut de la viande partout. Bah c'est avec... <laughs> ouais, ce que j'allais dire c'est Erwan, Erwan hein, on, on, aime euh, la viande. on aime la viande et c'est bien Erwan qui soutient nos amis agriculteurs évidemment en ce moment c'est important euh, par, par les temps <laughs> qui courent euh, est ce que Thomas avec euh, cette acquisition hein en plus pour toi Boston est le favori cette saison en NBA moi, c'est les favoris avec les Clippers pour moi. Okay. Voilà, ça, ça fait partie des deux équipes qui se détachent un petit peu. Bien sûr, en embuscade, les Nuggets, ils connaissent okay. la route, même si je, je les trouve un tout petit peu en deçà de, de l'année dernière. Mais là, ce qui se dessine à l'heure actuelle, si on s'arrêtait maintenant, ça serait un petit Boston Clippers en finale, enfin, serait belle, hein qui serait assez exceptionnel. Putain, un petit L.A. Boston, même si c'est pas le bon L.A., malheureusement, mais ce serait Après, les Clippers, bon, on qu'on prend quand même. On, y aura, on, y aura, on en parlera peut-être plus tard des, des défauts et des qualités de Boston, mais ouais. en tout cas, ils ont tout pour aller au bout, sur le papier. C'est vrai que sur le papier, Erwan, toi, ça te... Ça te renforce dans cette conviction. En tout cas, j'ai l'impression, moi, à l'Est, on le dit semaine après semaine, entre Philly, les pauvres, là, qui, avec Embiid, sont en train de s'effondrer, et, euh, et Milwaukee, dont on doute fort, j'ai l'impression que c'est un boulevard pour Boston cette année à l'Est. Hein. C'est l'équipe la plus stable. Et les gars, de mémoire, hein, la stabilité, en général, quand tu es ambitieux et que tu as l'équipe pour, évidemment, ben, la stabilité, c'est une donnée archi importante pour les gagner un titre. Moi, j'ai pas de souvenirs. Euh, d'avoir euh, oui il y, y a les rockets qui est en 95 qui font une saison un peu euh, une saison un peu un peu bizarre ils finissent 6 ou 7 je crois de l'ouest et puis ils arrivent à gagner mais ils étaient champions en titre. Donc euh, c'est un peu différent mais voilà moi c'est l'équipe la plus stable pour moi depuis euh, depuis le début de saison. Donc euh, et la je, je le redis je le répète et je le redis cette équipe là depuis Presque maintenant 7 ans depuis que Jason Tatum et, et Jalen Brown ont pris un peu les, les rênes de cette équipe là. C'était une équipe qui, qui travaille bien avec des, avec des déceptions, avec des, avec des ajustements. Mais voilà, tu vois là pour moi Xavier Tillman c'est un, un ajustement. Voilà, il, il, on chamboule pas tout comme euh, alors que les Bucks de l'autre côté, ben, les Bucks ont déjà changé d'entraîneur, euh, on euh, ne défendent pas, euh, on fait venir ont perdu Lillard, ont perdu Joel euh, cet été pour faire venir Lillard. Ils ne défendent plus. Là ils font venir pas de Beverly pour il y a beaucoup d'incertitudes, les, les Sixers ben, sont, sont orphelins complets de, 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 de Embiid, les, les Knicks ça va plutôt pas mal, mais mine de rien, ben, Aninobi est arrivé cette saison, là euh, Bogdanovich et, et Burke arrivent aussi en milieu de saison, donc ça reste des ajustements. Pour moi, les plus stables de la Ligue, ce sont les, euh, ce sont les Celtics avec les Nuggets, mais c'est vrai que les résultats pour l'instant vont, vont plutôt en faveur des, des Celtics, même si les Nuggets, vraiment Thomas, tu, tu l'as dit, ils connaissent la route, j'ai du mal à être inquiet pour eux. Ah, bien sûr, bien sûr qu'ils connaissent la route et on verra bien dans quelques mois où ils en sont ces nuggets. Bon voilà, en tout cas Xavier Tillman euh, qui débarque à Boston pour densifier la raquette. Euh, les temps sont durs mais on fait ce qu'on a. Alerte trade, messieurs. Euh, C'est d'ailleurs pas un réel trade encore une fois, mais un joueur qui est libéré. Euh, je vous annonce que Daniel House qui était au Sixers depuis deux ans... Et euh, qui avait atterri euh, mystérieusement dans un des nombreux trades du soir à Détroit et libéré par les Pistons. Et pourquoi je vous en parle bah Déjà, d'une, parce que c'est un joueur qui avait du temps de jeu à Philly et, et qui montrait des choses encore cette année. Mais surtout parce que, de l'avis de tous les insiders euh, US, là, euh, Shams, Vosh, tout le monde tweet la même chose. Euh, il a énormément d'équipes de, de, qui veulent l'accueillir, Daniel House, euh, des contenders qui seraient en train de se tirer la bourre pour aller chercher euh, le, le petit shooter qui avait donc atterri à, à Détroit. Ça peut intéresser du monde, ça, Thomas, pour toi Moi, ouais, pourquoi pas Je vois bien les Lakers aller dessus. Pourquoi pas les Mavs aussi qui ont besoin un peu d'élier Ça reste un joueur. Euh, alors, il ne va pas changer euh, l'avenir d'une équipe, mais ça reste un joueur solide en sortie banque et capable de coups d'éclat. Euh, on l'avait découvert à, à Houston, hein, il me semble, ouais. euh, qui avait explosé, enfin explosé, qui s'était montré là-bas. Bon, oui, il va intéresser des équipes parce que c'est des joueurs pas chers et qui peuvent apporter des, des bonnes minutes. Erwan, toi, Daniel House, ça peut tu le vérifies où par exemple ouais, Les Lakers, c'est pas mal. J'aime l'idée de Thomas pour mettre, pour mettre des filoches. Bon, Dallas, ils viennent de signer PJ Washington, je ne l'imagine pas trop là-bas. Euh, à voir. Après, on sait que voilà, c'est des joueurs. Tu les, tu sais ce que t'as. Voilà. En tout cas, si c'est euh, si une équipe a, a un projet, quand tu prends Daniel House, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce qui va te donner. Tu sais ce qui va pas te donner aussi. Donc, j'imagine que s'il y a des équipes qui sont, s'il qu y a pas mal d'équipes qui sont sur lui, c'est qu'ils savent comment ils vont l'utiliser. Voilà. C'est un, un peu un pétard ambulant, capable de prendre des crises. Et puis le jour où il n'est pas en crise, ben il vient s'asseoir gentiment sur le banc et puis il attendra le match le match d'après pour faire mieux. J'ai pas l'impression que ce soit aussi un, un compliqué à gérer. Donc non non c'est voilà c'est un mec qui peut remplir, qui peut remplir des, 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 missions, des missions notamment par de l'adresse donc dans des équipes qu'on qu a besoin. On voilà pour l'info que je voulais vous passer elle vient de tomber il y a trois minutes la Daniel House libéré par les Pistons après un début de saison donc à Philadelphie euh, il intéresse apparemment un paquet d'équipes. On continue 20h20 à faire le tour de, des trades à la marge mais qui pourraient avoir leur impact en fin de saison euh, les gars on va basculer à l'ouest cette fois et parler de Minnesota les Timberwolves qui ont fait euh, quelque chose qu'ils souhaitaient faire apparemment depuis plusieurs semaines, c'est aller chercher un meneur backup à Mike Conley. Ils ont été chercher Monte Morris euh, et envoient en échange à Detroit Shake euh, Milton, Troy Brown et un second tour de draft 2023. Donc encore les Pistons euh, dans un coup pour aller chercher... Euh, des tours de draft, a priori. Je ne suis pas persuadé qu'il soit passionné de Shake Milton ou de Troy Brown, euh, vu que Shake Milton est un peu décevant en ce début d'année. Euh, Monte Morris qui arrive à Minnesota dans une équipe qui est leader à l'ouest, euh, Thomas, ou Mike Conley fait la météo mais a besoin d'un backup. Mmh. Euh, je trouve ça hyper intéressant. C'est intéressant, mais je suis assez surpris. Alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais moi, j'adore. Euh, je suis en train de regarder Jordan McLaughlin. Ok, McLaughlin, je, ouais. À chaque fois qu'il joue, je le trouve super bon. Je le trouve euh, serein, le barbule, qui l'apporte. Hein. Ouais, Monté aujourd'hui. Euh, alors oui, meneur backup. Euh, bon, c'est pas non plus euh, la recrue du siècle, mais certes, il fallait, il fallait, euh, il fallait quelqu'un derrière Mike Conley, parce que Mike Conley, il est un peu en deçà de ses. Les ouais, quoi, il est ouais. vieillissant aussi. Bon, ouais, c'est un bon coup. Après, ça va pas. T'es pas emballé, emballé non, par ça, quoi. Je le vois pas jouer plus que ça. Euh, D'accord. Je, je vois pas vraiment. Même si je me rappelle bon. qu'avec les, les Nuggets, il avait fait des, des, des trucs sympas, ah ouais, ouais. Les, des, des bonnes perfs. Maintenant, euh, pour moi, les Wolves les, les, les ils ont besoin de, de scoring à l'aile. Ils ont besoin ah. de, de, de shooters pour moi, pour élargir, pour stretch un peu avec Edwards et, euh, et Towns. Pour moi, c'est surtout ça qu'il faut cibler. Pe Peut-être un Daniel House d'ailleurs. Bah, euh, pourquoi, pourquoi pas chercher Pourquoi pas Minnesota, euh, Daniel House. Euh, Erwan, euh, Montemoris à, à Minnesota, t'en penses quoi bah, J'en pense un petit, peu, un, petit, un petit peu des choses un petit peu plus. Public un petit peu plus positif pardon que Thomas parce que bon on l'aime bien Jordan McLaughlin il est gentil hein Thomas mais peut-être que quand tu dis qu que chaque fois qu'il joue il est bien mais il serait peut-être bien pour Malakoff parce que cette année c'est quand même 2,7 points par match 1,1 euh, rebond et 1,8 passes bon voilà on aime je vois ce que tu veux dire hein, il est académique il mange pas de pain mais bon, au bout d'un moment avec avec Monté -Maurice, quand même les euh, les Timberwolves, ils s'offrent quand même un joueur, à, un joueur à un calibre supérieur. Tu dis qu'à Denver, il avait montré euh, des choses pas trop mal. Non, à Denver, il avait montré vraiment de, de belles belles choses. Il avait, il avait plutôt parfaitement lancé sa carrière. Après, il était parti dans des projets un petit peu plus compliqués comme les Wizards ou, ou les Pistons cette année. Moi, je trouve que c'est une vraie un vrai plus, une vraie profondeur. Et je te rejoins sur le fait qu'ils ont besoin de, de, de mecs capables de mettre dedans, des shooters. Alors, c'est pas complètement un ailier, mais c'est un mec que tu peux clairement décaler sur un poste 2 et qui peut mettre dedans. C'est un mec qui n'a pas peur dans les fins de match aussi. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est quand même euh, que, que, que tu gagnes, que tu progresses en tout cas en prenant Monté-Maurice en deuxième honneur que tu vas installer devant Jordan McLaughlin. Euh, Monté-Maurice, donc, qui débarque aux au Wolves. De manière plus générale, sur l'équipe, Thomas, tu en penses quoi ces Wolves On a parlé de tout à l'heure. Est-ce que c'est une équipe que tu vois aller loin c'est une équipe très très solide et euh, ils ont tout pour moi, ils ont quasiment tout en tout cas. Après, bon, ça, ça, ça vaut pour beaucoup d'équipes, mais forcément, arrivant en playoff, il va falloir à hein, Anthony Edwards, un, un Towns qui assure euh, au secours régulièrement et qui step up aussi. Parce que là, Edwards, il est autour des 25 points. Ouais. Hein, voilà, s'ils veulent aller loin, il, il faudra qu'il soit plus vers les 30 points, je okay. pense, Anthony Edwards. Il est bien épaulé par Towns. Go, Rudy, il va faire du Rudy. Voilà, c'est. On lui demande d'être fort défensivement, de finir les paniers des, des, des actions cercle, des, des alley-oops, alley tout ça. Voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'ils ont peut-être un, un autre scoreur en sortie de banc pour épauler un peu Edwards et étendre nos scoring. Sinon, pour le reste. Pour moi, ils ont ils ont tout pour essayer d'aller embêter les, les favoris en tout cas. C'est un peu le. Erwan, moi, j'ai l'impression d'avoir le même ressenti pour pour okay, si. euh, Bizarrement, j'ai du mal à détacher ces deux profils-là. C'est-à-dire qu'on a tous envie de mettre Denver et les Clippers euh, bah, un, un cran au-dessus de par l'expérience de tous les mecs dont on parle. Expérience playoff, on hein, s'entend. Euh, mais Minnesota, au final, euh, je sais pas sur un malentendu, un truc, on se dit qu'il y a peut-être un chemin où ça peut les ça peut aller loin cette année, non <laughs> c'est archi intéressant. Je mettrais euh, Minnesota. Euh, alors pas, pas au niveau du talent, mais au niveau de l'expérience, un petit peu devant Okc. Et encore une fois, on sait qu'en playoff, tout, tout se resserre, tout devient plus compliqué. Et c'est vrai que l'expérience de Rudy en playoff, l'expérience euh, NBA même de carl Anthony-Towns, pour moi, elle est, elle est supérieure à, à, à celle de d'Okc. Euh, donc euh, après, après, on sait que des fois, il y a des équipes qui n'ont pas besoin de faire deux, trois ans de playoffs. Hein. Ils sont prêts tout de suite. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense qu'au okay, Kessie, il n'y a pas de raison, même si on le rappelle, ils ont signé Gordon Hayward là sur ce trade, enfin, ils ont fait venir Gordon Hayward sur sa trade deadline. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus en avance que, que d'autres. Moi, j'aime bien ce que fait cette année Minnesota. J'aime bien l'idée, de Thomas, de. De dire qu'ils peuvent embêter les gros. Après, pour moi, Denver est au dessus. Je l'aimais pas. Den pour moi, je mets pas Denver avec euh, avec les Clippers. Euh, et c'est pas. Même si les Clippers en ce moment sont peut-être une meilleure équipe, si aujourd'hui ils se jouent les deux, c'est peut-être les Clippers qui passeraient. Bon, le truc, c'est que les playoffs, c'est dans c'est dans deux mois et demi, et que quand j'ai, on a tous vu ce qu'on fait les les, les Nuggets l'année dernière en playoffs. Cette capacité de jouer juste, de défendre, de mettre les paniers importants, d'avoir deux joueurs d'exception dans les Money qui que sont Jokic et Jamal Murray. Euh, Aujourd'hui, chez les Clippers, et je regardais une émission euh, euh, sur ESPN où justement ils parlaient des, des Clippers et il euh, y a un mec qui disait, euh, un consultant qui disait. Mais il se passe toujours quelque chose chez les Clippers. Il y a toujours un blessé. Il y a toujours un mec qui craque. Et c'est vrai que Kawhi en playoff, ben depuis Toronto, il est toujours blessé. Que James Harden, qui est extraordinaire cette année depuis qu'il est chez les, euh, chez, les, chez les Clippers, ben en playoff, on attend encore quand même qu'il qu fasse basculer une série à lui tout seul. Euh, voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais il y a des interrogations euh, un peu plus chez les Clippers que chez les Nuggets, qui sont, on le rappelle, cham les champions en titre. Donc, euh, donc voilà. Ben moi, si je peux rebondir sur ça, c'est certes, euh, moi, j'attends plus d'Arden qui fasse basculer une série de playoffs. À l'heure actuelle, aux Clippers, c'est Paul George et Léonard ouais, qui doivent qui, qui faire la différence en fin de match. Ça va aussi le délester de toute cette pression qu'elle a eue pendant tant d'années. On lui a reproché de ne pas réussir à, à franchir le cap. Voilà, pour moi, aujourd'hui, la pression, elle est plus sur lui, même s'il va falloir qu'il soit bon, bien évidemment. Et après, côté Denver, ben, on le sait, ils ont perdu Brown et Jeff Green qui ont été. Ultra important l'année dernière pendant le run. Donc, forcément, c'est pour ça que je les vois un peu en deçà. Et je vois un Jamal Murray qui est fort hein, cette année. Je le. Il a raté la, la Coupe du Monde cet été parce ouais. qu'apparemment, il dit qu'il a bien profité et tout. Je le sens un petit peu au niveau de sa condition physique. quand Je le vois se déplacer, jouer un petit peu en dessous de ce qu'il a proposé en tout cas l'année dernière. C'est pour ça aussi que j'ai mis un petit doute. Après, comme il a dit à Juan ils ont l'expérience, ils ont fait le run l'année dernière et ils ont quand même mis au kit et chez Murray et un superstar. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Euh, 20h, presque 30. Maintenant, on est toujours en live sur la Wina TV avec la team Clutch, First Team, et à mes côtés, bien sûr, pour vivre cette trade deadline en live avec vous euh, toute la team Wina, vous continuez de commenter euh, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez euh, entendre, ce dont vous voulez parler, les équipes dont vous avez envie d'avoir des nouvelles euh, en attendant moi je peux vous faire euh, un petit récap de ce qui s'est passé à Dallas, euh, un contender qui est, euh, euh, pour le coup euh, avait déçu en ce début d'année pour plein de raisons et des absences notamment et qui est en train de se remettre sur le devant de la scène, Dallas euh, qui fait deux gros trades ce soir, Dallas fait venir PJ Washington en échange de Grant Williams. Euh, C'est le premier trade avec Charlotte. C'est ce Un premier tour de draft, deux secondes tours de draft. Ça coûte quand même cher pour faire venir PJ Washington à Dallas, qui fait une croix immédiate donc, sur Grant Williams après trois mois à peine d'expérience. Et on attend toujours l'officialisation, mais il semblerait bien que ce soit fait. Dallas qui fait venir aussi Daniel Gafford de Washington en échange de Richon Holmes. La raquette euh, est beaucoup plus dense qu'elle ne l'était ce matin euh, au Mavs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces deux moves, Thomas bah déjà Dallas ils sortent d'une saison très décevante à la dernière, même pas qualifiée pour les play-ins, c'était un peu un choix aussi qu'ils avaient fait, ils avaient, ouais. laissé, ils, avaient, ils avaient laissé partir la fin de saison, donc ils avaient un meilleur choix de draft hum. en ne faisant pas les play les, le play-in, et voilà le, le, le move Grant Williams c'est un échec comme on l'a dit tout à l'heure, il le remplace par PJ Washington, c'est… C'est un super move. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il va être capable de meilleur shooter pour moi que Grant Williams. Plus, plus régulier, il va apporter de la taille, de la verticalité. Et il va bénéficier aussi, ben, forcément, de la création de Doncic qui, qui décale toute l'équipe pendant bah, pendant 48 minutes à tous les matchs. Voilà, c'est à la création, il est fantastique, même si parfois il mono, monopolise un peu trop la balle. Mais c'est un super move, surtout si Gafford est confirmé à l'intérieur. On va rajouter encore de la viande, comme on parle depuis le début de cette émission de la viande, jour. de la viande, de la viande. Et aujourd'hui, moi, je les, vois, euh, je les vois, embêter les, les contenders. Après, au bout, je suis un peu déçu cette année de Josh, euh, Josh, de Josh Green, et, euh, bien, là. Ouais, et Jaden Hardy aussi. Ouais. J'en attendais un peu plus de. Forcément, des fois aussi la bascule, elle se fait, elle se fait à ce niveau-là dans des équipes quand à des rookies qui ont été draftés un peu haut ou deuxième tour qui arrivent parfois. À, à un step up plus que prévu. C'est là aussi que ça peut créer la bascule pour des équipes. Pour l'instant, euh, je les trouve un peu décevants. Donc, euh, mais il y a Tim Hardaway Junior qui fait, qui fait quand même une super saison aussi. Ouais, ça, il est super. Euh, sixième homme de ouais, voilà, euh, il est, Je trouve qu'il est vraiment génial aux côtés de Irving et, et d'Anchis. Donc, moi, je les vois bien. Pourquoi pas faire un coup, hein, surtout quand on connaît Kyrie Irving bah, C'est intéressant ce que déclar. tu me dis là parce qu'ils euh, partent de loin. Hein, ils sont 8e aujourd'hui, les, ouais. les Mavs, euh, à l'ouest. Ils sont derrière Sacramento, derrière Nouvelle-Orléans, euh, bah derrière plein de monde au final, euh, avec les Lakers euh, tout juste dans, derrière dans le rétro. Erwan, euh, est-ce que les deux moves du jour de Dallas, euh, pour PJ Washington et, et Daniel Gafford, les renforce suffisamment pour les remettre dans la course au titre cette année, selon toi J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui parce que c'est un secteur sur lequel, pour moi, ils étaient, ils étaient un petit peu en souffrance. Alors, bravo l'année dernière d'être allé chercher Derek Laville à la draft. Mais c'est encore un, un, un rookie il montre plein de choses mais il était un petit peu tout seul. Euh, Powell ne joue, quasiment, ne joue quasiment plus et on connaît, on connaît les limites du garçon et on ne va pas lui jeter la pierre, mais au bout d'un moment, euh, d'un dauphin, tu n'as pas enfin un requin, comme disait, euh, comme disait Lolo Serra. Et là, je trouve qu'avoir un jeune potentiel comme Derek Lively et derrière mettre un mec un petit peu plus expérimenté, mais qui est encore dans un, pro, dans un projet jeune, euh, qui est Daniel Gafford, qui est un pivot un petit peu en plus, avec un, un profil un petit peu différent de celui de d'Eric Lively, qui est un... Euh, filiforme très long cercle à cercle protecteur de cercle euh, Daniel Gafford tu peux lui foutre un petit peu la balle en dessous sur du demi terrain il a il a plutôt des bonnes mains va provoquer des fautes pas maladroit au lancer le, le Dani donc euh, donc j'aime aussi et ça peut je me projette peut-être un peu loin mais c'est c'est un peu le but aussi de ta question Rémi c'est peut-être aussi d'être de, 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 capable d'apporter un petit peu de d'alternance en attaque par moment chez les Mavs le problème c'est que Kyrie Irving et Luca Doncic sont tellement forts balle en main ils ont tellement tout le temps la balle que ça en devient presque une un, un défaut parce qu'ils sont prévisibles alors après bon courage pour défendre sur eux leur et, et, et les empêcher de scorer mais je trouve que des fois cette attaque là manque cette attaque des matchs manque un petit peu d'alternance parce qu'ils ont justement notamment un mec Luka Doncic qui a tout le temps la balle et donc on sait ce qui va se passer alors c'est pas parce que tu sais ce qui, qui, ce qui va se passer que ça va l'empêcher ça va pas l'empêcher de mettre 73 points comme face à Atlanta mais je trouve qu'une équipe qui veut avoir des prétentions en playoff qui veut un jour avec Luka Doncic et c'est l'ambition normale Aller un jour en finale NBA, je trouve que pouvoir avoir une alternance un petit peu dans le, dans, dans le jeu d'attaque, c'est une bonne chose. Gagner aussi défensivement avec Daniel Gafford, c'est une bonne chose. Donc, oui, pour moi, j'ai envie de croire euh, à, ce, à, à ces mouvements-là et j'ai envie de croire que Dallas est une meilleure équipe que ce matin. Tu pas entendu, Rémi Qu'est-ce que tu en penses un peu J'aime beaucoup, de ce moi. Ah, J'aime beaucoup, beaucoup euh, ces deux moves de, de la part des Mavs. Nico Harrison, là, qui fait clairement le boulot. Moi, je suis de l'avis d'Arwan. C'est que, pour moi, ne pas entourer Luka Doncic est un crime, de toute façon, mmh. à partir du moment où tu as ces... Moi, je fais partie des gens qui continuent de penser que c'est le plus beau bijou de NBA, Luka Doncic, On aime, qu'on déteste le mec, ouais, peu Mais en termes de talent pur, je trouve qu'il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Et ne pas l'entourer, c'est un crime. Et du coup, là, ils font ce qu'il faut. On a ciblé cette défaillance dans la raquette. Euh, maintenant, il faut voir les feats de ces deux mecs-là. PJ Washington, il montrait plein de belles choses, mais dans un bordel, quand même, à Charlotte qui est particulier. Ouais. Euh, voir s'il est capable d'être cadré. Euh, Daniel Gafford, je suis comme toi, je suis fan de ce move-là parce que ce mec-là, je le trouve tellement sous-côté depuis ouais. des années à Washington. Euh, il aurait pu intéresser plein de monde. Euh, c'est mille fois mieux, que, alors, sans lui manquer de respect, qu'à André Drummond, dont on parlait en ce moment, par exemple, je trouve. Euh, donc voilà, je, je trouve que c'est très, très bien ce qu'ils font. Euh, J'ai toujours du mal à croire en ce fit Kairi-Luka, moi de toute ouais. façon, ce qui est la base du problème. Mais je pense que à partir du moment où tu es, es embarqué avec ces deux stars-là, bah, je pense que là, ils ont fait le taf. quoi Mais tu sais, on a souvent eu cette discussion avec Erwan, on se demanda, on s'est souvent demandé, mais quel serait le joueur de complément parfait, la star aux côté de... de de, de Lucas parce que on l'a dit il a tellement dur, la balle voulais... il a tout le temps la balle alors l'idéal ça serait un poste 5 à Anthony Davis par exemple ça serait que... vraiment mais enfin est-ce est... que l'idéal euh, ce serait pas même un je sais que je vais en faire hurler parce qu'il y en a plein qui me disent que c'est même pas une star est-ce que c'est pas un Rudy Gobert l'idéal à côté de oui oui bah ouais, forcément oui Rudy Gobert aussi ça serait bien mais moi je pensais forcément pas un, ballon, un poste 5 voilà qui est capable voilà de sur les roll d'aller chercher les balles fort défenseur ou sinon, un ailier, mais j'avais pensé, voilà, il n'existe enfin, plus. Okay. Prime Middleton, par exemple. Ouais, okay. Ce genre de voilà, bah, qui est fort défenseur, shooter, hein. qui a besoin de retour de ballon pour jouer derrière. Peut-être un Clay Thompson, mais peut-être c'est un peu plus deuxième arrière. Mais forcément, un, un gros big man, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais… C'est ah, tellement est compliqué. difficile de te ouais. trouver quelqu'un qui peut fitter avec lui. On a souvent parlé avec Erwan et c'est dur. Ce bah, sera peut-être d'ailleurs le souci de Luca tout au long de sa carrière, tant qu'il n'aura pas gagné. Pour euh, le voit et La Slovénie. Bah, c est, c est il joue tout seul, que lui, vrai. il veut tout le temps avoir la... Il ne joue que quand... Si tu regardes un match, dès qu'il a balle, la balle, ça ne l'intéresse pas, limite, de jouer. Il se met dans le corner, les autres jouer C'est un joueur particulier. Ouais, particulier. Et c'est sûr que s'il arrive, alors on, moi je continue de penser qu'il sera à la fin de sa carrière, qu'il aura été trois fois MVP, qu'il va gagner cinq titres. Mais si ce n'est pas le cas, si, tant qu'il ne gagnera pas, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va lui reprocher à lui aussi de... C'est compliqué ah ben, de jouer avec toi, gros, euh, évidemment. Euh, bon, en attendant, là, le, ma le management des matchs, je pense, a fait le taf. Euh, ouais. lui a donné des intérieurs de bon niveau, et, et on verra d'ici la fin de l'année et pour le coup la pression elle est peut-être un peu sur lui d'ailleurs t'as raison Thomas parce que si d'ici la fin de l'année ça se passe pas bien à Dallas peut-être qu'il y aura un peu de blâme à mettre sur, sur Luka Doncic euh, un trade dont on n'a pas parlé les gars d'ailleurs c'est pas un trade c'est un récap de plusieurs trades dont je veux vous parler à présent. On va parler des Suns de Phoenix euh, qui font venir deux joueurs d'importance, certaines, une certaine importance, Royce O'Neill euh, qui arrive de Brooklyn, David Roddy, le petit David Roddy de Memphis là, qui faisait deux, de, trois belles choses depuis le début de l'année avec toutes les absences chez les Grizzlies, l'ancien joueur de, de Colorado à la fac. Euh, qui arrive également à Phoenix. Euh, pour récupérer ça, les Suns ont lâché une flopée de joueurs. Euh, Métou qui part, Jordan Goodwin qui part, Utah Watanabe qui retourne à Brooklyn, Keita Betsyop qui s'en va et des seconds tours de, de draft. Est-ce qu'avec ça, est-ce qu'avec Roy Sonil et David Roddy, cette équipe de Phoenix qui fait partie des contenders cette année est plus forte, Thomas ça, ça, Il s'ajoute un peu de profondeur de, de banc après. Euh moi, euh, au sun, j'ai envie de voir des défenseurs sur la ligne arrière, des, 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 des spécialistes presque, okay. qui, qui sont capables de mettre à trois points aussi. Bon, après, ça court pas les rues. Hein. Des, des, Mais, je sais pas quoi, des Jack Crowder à l'époque, des Dorian des smith comme ça. Euh, ouais. voilà, ce, ce genre de joueur, des Jack Crowder effectivement. Voilà, Roy Sonny, ça reste un joueur solide, un peu foufou, capable de prendre feu aussi. Ouais, c'est un bon move, il se rajoute euh, un peu de. Moi j'ai quand même l'impression que ça, ça comble pas leur besoin numéro un non. qui est la densité intérieure. Ouais, aussi. Euh, derrière Yusuf Nourkic. Erwan, qu'est-ce que tu penses, David Roddy, euh, Roy Sonil qui débarque à Phoenix Est-ce qu'ils est qu sont plus forts les Suns là aujourd'hui Je sais pas, là pour le coup, euh, je n'ai pas l'impression spécialement. J'aime beaucoup Royce O'Neill euh, pour l'aspect défensif, pour l'aspect guerrier aussi, on se souvient quand même dans le run the playoff du, du jazz, là où il s'est révélé. Euh, il C'était était un vaillant euh, dans, la, dans, dans, dans la tchatch, dans le trash talk. Il est là, voilà. Donc c'est un mec avec qui tu peux voyager, avec qui tu peux aller au combat, j'aime bien. Capable de mettre des grandes filoches aussi, c'est pas un échappé. David Roddy, c'est un physique. Je l'ai vu mercredi là avec Memphis là aussi joué. C'est un physique incroyable. Bon, le problème c'est que c'est pas un basketteur, donc euh, je suis pas sûr que qu'il arrive à se à, à apporter un, un plus à cette équipe là. Non, pour moi, euh, pour moi il me manque. Il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose à cette équipe là qui ne vit qui vit et meurt à, à travers ces trois stars. Donc euh, là, on a fait le listing Rémi de, de, de tous les mecs qui sont partis. C'est des gens qui ont ou Je sais pas si j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas su saisir leur chance ou est-ce qu'on n'a pas su leur donner un petit peu à manger aussi pour qu'ils puissent faire des choses mais tout avait montré qu'il y a un petit peu de choses Kevin Durant a fait tout un foin pour faire venir Watanabe. il n'a pas eu un système dessiné. Je je, moi, je, je sais pas j'arrive pas à... tout est flou pour moi avec les Suns c'est peut-être ouais, le soleil dans la vrai tête. Vrai. Oui, c'est souvent le problème en effet. Euh, moi je suis surpris un petit peu aussi de cette histoire-là. J'ai l'impression que Phoenix va mieux quand même depuis quelques semaines. qui commence à trouver une alchimie autour des trois stars, de Bradley Bill qui s'insère bien là-dedans, qui a fait un énorme match à Washington au passage. Euh, je suis un peu surpris de tout ça. C'est un aveu d'échec parce que c'est des mecs qui ont été cherchés. Je suis d'accord avec Erwan, Watanabe, on y croyait. <coughs> Pardon, Keita Bates-Diop, on y croyait aussi un petit peu à Phoenix. Il laisse partir tout ça pour aller chercher David Roddy. Que moi j'aime bien hein, qui monte des trucs, de la densité physique à Memphis, mais qui reste un joueur quand même qui euh, qui, qui se retrouvait starter en NBA uniquement parce qu'à Memphis il n'y avait plus personne, on va pas se mentir. Bon, Sonny, il est un vétéran déjà plus, euh, plus aguerri, je veux bien l'entendre. Euh, et surtout, je répète, moi pour moi, ça adresse pas le souci majeur qui est la densité intérieure. Euh, euh, je crois en cette équipe de Phoenix. Moi, je fais partie des gens qui croient en cette équipe de Phoenix. Bah, un Gafford, par exemple, ça leur aurait fait, ça aurait fait un, un bien fou. Mais alors. même un Drummond à l'échelle ouais, intérieure. Oui, même quoi. un Drummond. Après, ils sont peut-être sur le coup. Rémi, il reste 22 minutes ouais, ouais, as raison, il reste <laughs> pour du temps. se dépêcher. Ouais. Mais moi, après, au bout d'un moment, c'est aussi au coach de, 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 de mettre des joueurs… Euh, en jeu, d'essayer de trouver des solutions. Moi, je vois un bol-bol, alors ça reste, ça reste un mystère un peu, ball -ball, parce qu'on ouais. le voit jouer, mmh. euh, il fait des bonnes choses. Après, oui, il manque de physique, mais il, est, il fait quand même quoi, 2 mètres euh, 20, euh, ouais, ouais, là, une envergure un de avant, malade. Ouais. Est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé d'une autre manière C'est aussi au coach de trouver des solutions, euh, avec euh, pourquoi pas aussi au Koji, qui, qui finalement apporte pas grand-chose. Peut-être c'est le lui faire comprendre qu'il devrait rentrer dans des missions défensives et voilà mais après ça restera le même problème il faut de la taille à l'intérieur tu l'as dit et ça, ça on ne peut pas l'inventer hein. Il faut recruter après sur le marché. Il y a qui en ce moment Il y a Drummond peut-être qui, qui pourra... Bah, Il y a des big men qui ont bougé là. Regarde bah, Gafford évidemment. Bah, Drummond euh... tout le monde en parle sans arrêt. Il ouais. euh, faut aller chercher un petit peu, j'en sais rien. Euh, bon, en tout cas, les Suns ont fait ces trades-là. Ils bougent beaucoup, beaucoup pour aller chercher deux joueurs. On verra si, euh, si ça paye ou pas. Il nous reste 20 minutes avant le buzzer de cette trade deadline. 20 minutes pour que les équipes puissent encore euh, faire des moves. On reste avec vous sur la Wina TV évidemment jusqu'à 21h. Pour vivre ça, un petit peu plus d'ailleurs s'il y a des trades au buzzer et qu'on a besoin de, de, de discuter avec vous. En attendant, on vous gagner gagné 5 free bets à 10 euros. Les modérateurs ont choisi nos vainqueurs. Euh, félicitations à Mickey Aulin, Martin Orio, Bishop, hein, Toons et Tamazirt. J'espère que je prononce bien tout ça, qui remporte les free bets à 10 euros. La question c'était, Thomas, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise des Pacers bah, Je pense que c'est Reggie Miller. Il n'y a pas le moindre doute, c'est Reggie Miller, le boss à Indiana. J'ai regardé du coup 25 000 points et quelques en carrière, ce qui est un très beau chiffre. Le deuxième de la franchise meilleur marqueur, c'est Rick Smith à 12 000 points. Donc il n'a même voilà. pas la moitié. Hein. Il y a de la marge. Hein. Oui. Qui pourrait le rattraper à l'heure actuelle Il n'y a personne. Hein. Compliqué à Liborton peut-être voilà, un jour, si euh, il reste toute sa carrière là-bas. Fort qu'il en mette des points, ouais. hein, il part de loin, Kim à Voilà, bravo à vous les gars. En tout cas, 5 free bets euh, à 10 euros pour, pour vous, euh, pour votre bonne réponse avec Reggie Miller. Bravo les gars. Allez, on continue de vous faire le petit récap des euh, trades qui ont eu lieu. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que Erwan Abotret est en live de New York. Et avec la sim ils nous font vivre un petit peu leur voyage là-bas. Que Thomas Laroukis, qui fait partie de la famille, est avec nous en plateau aujourd'hui, qu'on est ravi d'accueillir. Erwan, d'ailleurs, tiens, fais-nous kiffer un petit peu là, avant qu'on se refasse un petit récap. Euh, C'est quoi le programme pour ce soir et demain à New York ah, Il va vous, nous ramener des petits cadeaux, je pense. Il va aller faire un petit peu de ah. shopping, nous ramener des choses, je pense. Souette. Je pense, hein, je sais pas, il ne m'a pas dit. Mais... Tu as, as des sacrées infos, Thomas. Apparemment, euh, le programme, le programme ce soir, on va voir donc les Knicks face aux face aux Mavs. On en parlait il y a pas longtemps. Donc les Mavs qui sont allés euh, s'imposer euh, avec la manière hein, au, au Barclays Center il y a deux jours. Donc on va aller ce soir. On va voir Doncic et carrie Irving. On est on est on n'est pas malheureux. Brunson s'est tordu la cheville. J'ai peur qu'il ne joue pas ce soir et que les soient, soit très très limités ce soir. Mais bon, pas grave. on va voir ton... on va voir papa Lucas et Carion, on sera on sera content. Ensuite demain on est on est un peu off, on a pas mal de vidéos à faire cet après-midi. Demain on est off et euh... Et à voir. Peut-être que j'ai un ami ici qui euh, qui fait faire des balades en vélo à Brooklyn, euh, ou Harlem plutôt. Et j'irais bien faire un petit tour, euh, un petit tour à Harlem en vélo, faire une espèce de de tour comme ça de vélo. Et puis je suis avec mon cousin que j'ai invité pour ses 30 ans ici et à qui je fais visiter aussi euh, la ville. Donc voilà, j'ai mon pote, euh, j'ai un pote euh, aussi à aller voir dans le New Jersey. Donc tu sais Rémi, tu nous connais, nous la first team, on est, on vit un petit peu au jour le jour. Donc euh, donc on va on va se laisser porter par euh, par New York et tu sais ce que c'est, hein, on sait jamais où ça peut nous amener. Et oui, tu auras des cadeaux, Thomas. Parce que je, tu veux que je te dise Pour ta première comme ça, tu es excellent. Tu as mérité un petit cadeau de, du NBA Store. Je vais voir ce que je vais te ramener. Oh là là, 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 là ça envoie un à... Tu Il fait des compliments quand tu es là. Il faut que On <laughs> je... fasse des émissions tous les trois plus souvent. Hein. Et t'as pas intérêt à lui ramener un magnète ou un pins dégueulasse hein, du NBA Store à 3 dollars Rémi, hein. Merci, Rémi. Je le connais, l'animal. Bah, Rémi. <laughs> Oui, mais tu sais, tu sais un petit peu maintenant les contrats, les, les contrats qu'on passe avec Fercif, donc tu t'imagines bien que <laughs> ce ne sera pas qu'à manette. <laughs> <laughs> Il me régale. Bon allez on est encore ensemble pendant un gros quart d'heure jusqu'à la fin de cette trade deadline. Un transfert dont on n'a pas parlé, on va parler un petit peu de, de Toronto. Euh, qui euh, s'active en ce moment, euh, trade avec le Utah Jazz un petit peu plus tôt dans la journée. C'est Kelly Olynyk qui bouge dans cette histoire-là. Utah va recevoir autoporteur Kira Lewis et surtout un premier tour de draft. Et je pense que c'est bien ça que vous voulez. Ah, je pense qu'on n'est pas bon, les gars. Attention, Toronto, Charlotte, c'est Toronto et, euh, et Utah là, qui, euh, qui trade là-dessus. Euh, Kelly Olynyk qui s'envole pour Toronto. Donc euh, voilà la pièce principale qui bouge et dans l'autre sens. En plus d'autoporteur et de Kira Louis, c'est surtout, j'imagine, un premier tour de draft 2024 qui arrive à, à Utah. Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses euh, L'arrivée de Kelly Olynyk, sans doute euh, pour préparer un futur move, que ce soit là dans les 20 minutes qui viennent ou l'été prochain bah, C'est vrai que je ne vois pas trop l'intérêt de recruter un Olynyk, à part qu'il soit canadien. Donc c'est cool. Euh, ouais, ça fait un, un canadien de plus, on va voir qu'ils faire venir Peut-être euh, qu'ils ouais. essaient de monter un 5 majeur canadien. Euh, mais euh, je pense plus qu'il va servir de monnaie des chances parce qu'à l'heure actuelle, Toronto, euh, ben, ils ne visent rien, ils sont un peu en reconstruction. Donc euh, moi, je le vois plus comme essayer de récupérer peut-être un tour de draft avec lui en l'échangeant avant la trade deadline ou peut-être cet été. Voilà. Ils ne sont pas pressés, en tout cas, à Toronto. Je pense qu'ils voilà, ont le temps pour faire des choix. Et... Moi je le, vois. je le vois plutôt comme ça, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Bah, si, ça... enfin, J'ai du mal aussi, ils sont clairement en mode tanking, là. Enfin, ils tankent pas réellement, mais ouais, ils sont mais en mode, ils attendent plus grand-chose de cette fin de saison, on l'a compris. Euh, moi là où je suis surpris, c'est que ça parlait sans arrêt de Bruce Brown depuis, euh, depuis qu'ils l'ont fait venir d'Indiana, tout le monde disait il va bouger là, on les voyait accumuler les assets, là, comme Kelly Olinique, je pensais qu'il bougerait là, il reste un quart d'heure, vous me direz, il y a peut-être un, un énorme truc qui va tomber, euh, peut-être qu'il prépare juste l'été prochain. Euh, je ne suis pas persuadé persuadé qu'Eliolini fasse vraiment partie de la construction à long terme de, de cette équipe de Toronto qui repart vraiment de, de zéro ou pas loin hein, avec, avec l'arrivée d'Arje Barrett et d'Anunobi euh, pardon le départ d'Anunobi euh, l'arrivée de Quickly Emmanuel Quickly euh, je sais pas Erwan tu le sens comment toi ce move là est-ce que c'est un move pour anticiper un prochain move de Toronto oui, clairement. Pour moi aujourd'hui, c'est très dur, elle est, elle est compliquée la question aujourd'hui d'analyser euh, de manière brute comme ça l'arrivée d'Olinique à Toronto. C'est vrai qu'à part la, 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 le délire d'un Canadien qui revient à, à Toronto, bon, on a du mal à se projeter. Mais on sait que sans Toronto, ils sont, de, ils sont depuis quasiment presque deux ans euh, dans une reconstruction. dans, une reconstru dans dans l'esprit d'une reconstruction ils ont mis ils ont mis du temps on pensait que à siakam et, et van de ça faisait quasiment un an et demi qu'on pensait qu'ils allaient partir donc ça s'est fait un petit peu au, au compte-gouttes on, on a l'impression que masai ujiri comme à son habitude prend le temps analyse euh, ne veut pas faire n'importe quoi ne veut pas faire de, de panique move et euh, voilà on reconnaît bien la, la patte là de, de du, du gm des, des raptors donc euh, voilà je pense que toronto ils prennent le temps, ils analysent. Je pense que l'arrivée d'Ergie Barrett, qui lui va s'inscrire dans le futur projet, je pense que euh, Quickley aussi, qui vont re-signer certainement cet été, euh, va, va s'instaurer dans le projet. Après, forcément, tu fais de la place avec des mecs en fin de contrat qui seront plus là cet été. Donc, on est plus là-dedans. Donc, sportivement, il n'y a, y a pas grand-chose à analyser. Le seul, la seule chose à analyser, c'est de, de faire de la place euh, du cap space pour cet été. Et euh, ou alors faire des mecs qui, sont, qui peuvent être des monnaies d'échange pour récupérer des tours de draft. Donc, euh, y a pas, malheureusement, pour l'instant, en Toronto, il n'y a pas plus à aller chercher. Je suis plutôt d'accord, hein. j'ai l'impression, tous les ouais. trois, euh, sur le projet de Toronto. Ouais. Qui est clairement en mode de reconstruction totale. À Utah, à l'inverse, je ne suis pas persuadé non plus qu'Auto et Kira Louis fassent partie des plans. Je pense qu'on voulait récupérer le premier tour de draft euh, et essayer de voir ce qu'on peut en faire euh, d'ici cet été, puisque c'est un tour euh, de draft de l'année qui vient. À euh, voir la valeur de, de ce tour de draft en, en revanche. Euh, bon, je, je continue hein, les temps de vaches maigre, messieurs, mais nous avons un trade, un petit trade, ah. euh, mais qui vient de tomber à moins d'un quart d'heure de la fin de cette trade deadline. Euh, elle concerne, euh, il concerne ce trade, les Spurs et les Pacers. Rassurez-vous, pas de Victor Wembanyama il n'y a pas là-dedans. Euh, Doug McDermott <laughs> est envoyé à, à Indiana. C'est un peu moins sexy, ah. je le concède. Doug McDermott, le shooter des Spurs, qui part chez les Pacers. Pour remplacer peut-être Buddy Hill ou faire autre chose en attendant, j'en sais rien. Euh, et j'apprends qu'en échange, les Pacers envoient Marcus Morris, qui décidément aura fait un, un trajet là dans la soirée. Il sera parti de Philly, il aura atterri euh, à Indiana et il va finalement aller chez les Spurs. Et un second tour de draft. Doug McDermott aux Pacers. Donc, quelque chose à en dire Moi, ouais, je pensais qu'il valait plus que ça parce que ça reste un joueur que moi j'aime bien. Doug McDermott, c'est un shooter fiable. Défenseur correct dans la NBA d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui auraient été contents d'avoir McDermott, je pense. Et c'est pas cher payé. Bon coup des de Pacers, je trouve, en okay. complément, sortie de banc. Voilà, les Pacers qui vont essayer d'accrocher une sixième place, les, les, ouais, ouais, les, les playoffs. Et, non, bien joué en tout cas. Pour moi, ils font une bonne affaire. là. Un petit trade à la marge, Erwan. J'imagine que ça ne pas plus que ça non plus. Ouais. Bon, oh, si, un petit peu plus que ça, hein. okay. parce que tu qu'ils perdent Budil, donc forcément, ben, ils il perdent il perd un, un shooter à, à haut volume. Et je pense que Doug McDermott, même si c'est pour moi un joueur euh, en dessous de ce que fait mais bon, en tout cas, c'est le même profil, et puis on connaît le, le jeu d'attaque des, des Pacers, cet cette up, euh, up tempo tout le temps recherché, la relance, prendre des tirs ouverts. Bon, je pense que Doug McDermott va se va 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 se retrouver là-dedans. Il aura des tirs. On va lui dire de les prendre. Et en général, il faut pas le prier. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a assez un poste pour poste. Tu perds, tu 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 compenses pas le talent, mais tu compenses le tu compenses le poste. Donc euh, donc euh, donc c'est très bien. Et puis Doug McDermott va retrouver aussi une équipe qui va qui va certainement jouer les playoffs. Donc même lui, encore une fois, ben je pense que même si c'est être sympa de jouer avec Victor, lui il est dans un moment de sa carrière où je pense qu'il préférera jouer les, les playoffs que que jouer aux côtés de, de Victor and Donc j'ai l'impression que c'est gagnant-gagnant. Ok, très bien. Bon, on laisse ça de côté pour l'instant. Alors, c'est un non-move, mais c'est peut-être un petit peu plus sexy à vous proposer, les gars. On apprend par les insiders US, Chris Haynes en particulier, Shams également, qui en parle, que les Atlanta Hawks annoncent officiellement qu'ils ne traderont pas Dijon Murray. Alors, il y a deux façons de lire ça. Est-ce qu'ils croient en lui ou plus crédible Est-ce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient en échange En attendant, Atlanta, Thomas, ne bouge pas. Et l'un des plus gros noms qu'on attendait dans cette trade deadline reste à Atlanta. Je pense que clairement ils n'ont pas, pas eu ce qu'ils voulaient en retour ouais. parce qu'on sait que bah, mine de rien déjà Temeret ça reste un joueur de niveau All-Star, ça reste un jeune joueur en plus. Ils ont dû en demander beaucoup et c'est normal parce qu'eux, ils en ont lâché beaucoup pour le récupérer. Ah ouais. Donc euh... Oui, ça voilà. leur faisait mal de le lâcher pour ouais, pas grand chose je pense deux que ans pour après. Pour pas grand chose, alors on avait entendu soi-disant le package Russell avec un ou deux joueurs, à un tour de draft et compagnie, mais c'était pas du tout intéressant pour les Hawks. Un non. triangle et genre, le Russell, c'est pas du tout compatible. Et voilà, je pense qu'ils vont attendre tranquillement cet été, essayer de bien finir euh, cette saison. Ils sont combien à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont septième, euh, quelque chose. Que, euh, Atlanta euh, Dixième, pardon. Ah non, ils sont en galère. Ils Donc, sont en galère complet. Sont... Dixième, ouais, ils passent une saison bien pourrie ouais, les Oaks, hein. Mais on, on l'a vu dernièrement, en plus mettre des buzzer beaters, euh, voilà. Est-ce oui, que est alors c'est fou parce que sur le papier, Atlanta, bah, ils ont une bonne équipe quand même. Je trouve ils ont, ah bah... ils ont des jeunes, ils ont euh, le jeune là qui est Jalen Johnson, c'est ça Jalen Johnson. Exactement. Voilà, Jalen Johnson qui fait, tête. qui fait une super saison. Ils ont un peu de tout, mais ça n'arrive pas à fonctionner. Alors est-ce que Treyang est fait pour, pour, pour emporter une équipe comme ça au sommet Je ne sais pas, je me pose des questions. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que le duo Treyang et Desjanté Meuré, ben, ce n'est pas vraiment un succès. Est, on, on est plus vers l'échec que vers la réussite pour l'instant. Je crois qu'on y est complètement. Euh, c'est un terrible aveu d'échec de plus, je crois, Erwan Sanan. Euh, je rappelle que le nouveau GM de Seahawks, c'est Landry Fields, l'ancien ouais. joueur qu'on connaissait, Denix notamment. De... Euh, il ne bougera pas Desjanté Erwan. Non, Landry Fields qui avait prêté son canapé à Jerry Midlin lors de la Cincinnati. Euh... Ouais, ils bon, pas. Moi, je... Alors, il a été très bon depuis les, depuis les rumeurs de transfert insistantes. Il a été excellent des gens témeurés. Et quand on dit excellent, Thomas, tu l'as dit, il a mis des grands buzzer beaters, des grands game winners. Donc, est-ce que ça fait réfléchir un petit peu Landry Fields et le bureau du... des Hawks Je crois pas que ça marche comme ça. Je crois, moi, plutôt la... à l'option de. Ils ont pas réussi à récupérer ce qu'ils qu voulaient. Maintenant, euh, maintenant, tu n'as peut-être pas récupéré ce que tu voulais, mais tu mmh. te retrouves avec toujours la même problématique, une fin de saison euh, à, à, avec, euh, avec toujours les mêmes incertitudes autour de ce duo-là qui ne fonctionne pas autant que prévu. Et je rejoins Thomas sur le fait qu'en fait, bah, cet effectif-là marche bien. Je crois, je sais pas Thomas, je suis pas sûr que tu as dit Jan John Johnson, était rookie. En fait, moi, je fais la même erreur. Non, ça fait trois ans qu'il est dans la ligue. Hein, et on se fait corriger chaque fois à juste titre. Jeune joueur. Mais, euh, mais ouais, c'est compliqué aussi d'avoir cette lecture-là. Écoute, il bouge pas. Après, moi, je reste peut-être que... Peut-être que le mec se parle, peut-être qu'on va voir sur ce sur ce dernier sur cette dernière droite de son régulière qu'il y a quelque chose qui va cliquer, parce qu'en fait, et Clint l'avait l'avait bien dit Rémi dans l'interview que que tu as faite avec lui, mec sur le papier c'est une bonne équipe quoi, c'est une bonne équipe, donc peut-être qu'à un moment donné chacun remet de remet de, 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 de l'ego un peu de côté, de, de un petit peu plus pour le collectif et je en fait j'ai du mal à comprendre l'échec de cette équipe-là si ce n'est que finalement associer deux meneurs de jeu ensemble, bah, c'est toujours un pari risqué. Et en tout cas, ça n'a pas marché avec ces Hawks, clairement. Pour l'instant, ils restent comme ça, ils n'ont pas trop le choix. Euh, Dijon Temeret ne bougera pas et reste un Hawk d'Atlanta après cette deadline. Euh, deux infos à vous donner. La première concernant le trade dont je vous parlais juste avant de Doug McDermott. Un petit ouais, trade, voilà, là. ça sera la deuxième. On va y venir dans une seconde, Tom. Euh, Marcus Maurice, qui arrive aux Spurs, euh, va avoir un buyout. Euh, il va être libéré par San Antonio. Il ne jouera pas avec Victor Wembanyama peut être intéresser du monde, je ne sais pas, Marcus Morris, on sait, on sait qui peut apporter ou pas. La deuxième info que Thomas était en train de me montrer, trade alert, deux niveaux, euh, qui est euh, ce qu'elle vaut, mais euh, les Milwaukee Bucks se séparent de Robin Lopez, bah, Brooke, Robin Lopez, qui ne jouait pas de toute façon euh, cette année, on ne le voyait quasiment pas sur le parquet, il l'envoie à Sacramento, Sacramento qui va Apparemment, si je dis pas de bêtises, immédiatement lui offrir un buy-out. Euh, ce qui veut dire. Ouais, c'est bien ça que je suis en train de lire. Euh, ce qui veut dire que Robin Lopez va être free agent. Est-ce que c'est un big man qui peut encore intéresser du monde ben, On en parlé il n'y a pas très très longtemps, là. Euh, ouais, y a a cinq là minutes, euh, les Suns, les sense, bien sûr. Euh, honnêtement, après, voilà, pour donner 10-15 minutes derrière Nurkic, pour apporter de la taille surtout et de l'expérience, ça reste un. Bon voilà, c'est vrai qu'il ne joue plus trop, mais ça, reste un, ça a été un joueur solide, on va dire. Maintenant, à l'heure actuelle, est-ce bon, qu'il est -ce qu a encore en Cannes pour, pour aider les scènes Ça, c'est la grande question. Je me dis que si, si, si on s'en débarrasse comme ça, c'est qu'il y a une raison à avoir. maintenant. Ça reste un grand tu pourra toujours donner des minutes quand on dit ça d'un mec ça reste un, <laughs> ça reste un grand c'est terrible cette phrase pour le mec un grand reste un grand de toute <laughs> ouais, ce ouais. façon c'est mon car qui dit ça 2m20 il fait 2m20 enfin lui il fait pas 2m20 bah, mais 2m12 Le mec et... de 2m20 en début de partie il fait toujours 2m20 <laughs> à la fin tandis qu'un petit il est un peu fatigué vers oui, la fin mais et... plus il s'étire mais plus il s'étire <laughs> voilà. alors que l'autre il prend toujours ses rebonds euh, Erwan euh, Robin Lopez ça intéresse encore du monde en NBA je ne sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, euh, les Bucks qui se séparent d'un frère, j'aurais préféré que ça soit un autre, euh, mais c'est euh, pas. J'ai l'impression que c'est plus un joueur de basket, Robin Lopez. On a beaucoup euh, d'estime pour lui, ça a été un très bon joueur. Ça fait quand même deux ans, ça fait quand même deux ans qu'il est installé un petit peu nulle part. Et que, Alors après, il peut peut-être s'y remettre, hein, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus trop. que c'est plus trop un basketteur, quoi. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour Robin Lopez. Il n'aura plus de contrat, il va être libéré par les Kings, je vous ai dit, il devient free agent. Donc euh, Robin Lopez n'est plus un membre des Milwaukee Bucks, déjà, c'est ça l'info. Euh, dans l'immédiat, un peu moins de 5 minutes avant la fin de cette trade deadline, il y a des franchises qui ne bougent pas. Euh, on nous les demande là par exemple. Bah oui, c'est des franchises sexy, évidemment que ça intéresse du monde. Un viewer, là, comment tu t'appelles euh, Engelmax qui nous demande rien pour les Warriors. Bah non, Thomas, pour non, non. Soir, rien. Bah, ils l'ont annoncé récemment. Je pense qu'ils se sont fait une raison. Ont... C'est trop dur pour eux de, déjà de casser ce, 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 ce trio qui a tant apporté à la franchise, tant de titres, tant de succès. Ils ont envie d'y croire encore et, et, et c'est normal. Je ne leur en veux pas quand on voit la saison qu'ils font avec un, un Wiggins décevant. Je me dis que si après cette trade deadline, tout le monde est relâché, tout le monde reprend son rythme et arrive à monter en régime petit à petit, si on retrouve un, un, un bon Wiggins, ouais, on voit l'éclosion de euh, Kuminga, Kuminga en ce moment. T'es encore optimiste toi pour eux hein Non, non, non. non, non. Bah, attends, laisse, laisse, attends, laisse Thomas moi finir. Moi, euh, moi. Alors, euh, c'est vrai qu'on a un envie peu de des rêveurs. <laughs> Qu'est-ce qu'il est chiant, celui-là Il a dit quoi Il est juste sur l'écoute, euh, concentre-toi. Il dit <laughs> Non, non, c'est vrai qu'on a envie de rêver un peu avec ces Warriors. On les a vus l'année dernière faire se sortir les Kings et ils nous ont un peu redonné goût. On se dit s'ils arrivent à tout remettre à l'endroit, mais en même temps, quand on les voit à l'heure actuelle, Clay Thompson et Wiggins, ils sont tellement. Ah, T'es quand même pas emballé, emballé, quoi. Hein. En deçà de leur performance, que c'est compliqué de les voir aller beaucoup. Euh, Enfin, en tout cas, très loin cette année. Vas-y, Erwan sort la sulfateuse là sur les Warriors. Bon, la, sulfateuse, la sulfateuse, ils se la sortent eux-mêmes hein, depuis, euh, depuis, depuis presque un an maintenant. Euh, moi, je suis déçu. Je suis déçu que les Warriors ne, ne bougent pas, mais je suis pas surpris qu'ils ne bougent pas ce soir. Hein. Moi, quand ils n'ont pas bougé, qu'ils n'ont rien fait sur siakam, j'ai compris que c'était euh, fini. Bob Myers ça a quitté ses fonctions l'été dernier parce qu'il ne voulait pas être l'homme qui allait faire péter le le Big Free, le big euh, donc uh, Draymond Green, Clay Thompson et, et Steph Curry. Donc c'est euh, le fils Van Gundy qui a repris le le poste et en fait il ne fait rien. Il fait rien. Euh, moi, le Big Free, je, je veux bien qu'on leur donne du crédit énorme et ils le méritent. Maintenant, euh, Andrew Higgins, il fait pas partie du Big Free. Hein. Andrew Higgins, euh, il, il faut le faire bouger. ou il est, il est, On le connaît, il n'y est, est plus, puis on sait que c'est un. On sait que mental, psychologiquement, il, est... il faut, faut, faut être derrière lui, hein, vraiment, à chaque fois. Donc voilà, pour moi, c'est pas assez fort. Il y a Kouminga qui est, qui est en train d'être très fort, mais moi, ce qui m'attriste énormément avec les Warriors, c'est euh, qu'en fait, on ne va rien faire pour, euh, pour donner une, potentiellement une dernière chance de titre à, à Steph Curry. Alors, c'est plus dur à, à dire qu'à faire, je l'entends, j'entends complètement. Mais voilà, voilà. La... Mais après, les fins sont rarement belles. Hein. Les fins de cycle sont rarement belles. Il y a que Jordan et les Bulls. Quand ça s'arrête, c'est top. Euh... Parce qu'il s'arrête à, à leur prime et et tout le monde se barre, mais euh, et l'après est compliqué. Mais, euh, mais là, les Warriors, ouais, je, parce que Steph Curry est toujours toujours au top, Draymond est revenu, il se fait un peu discret, mais Klay Thompson est complètement à la rue. On ne t'entend plus r bon bah c'est pas grave, on va rester avec nous le temps qu'on... C'est qu pas intéressant, oui, ça c'est... On t'a muté r désolé, on a enlevé le son. Non, non, on t'entend plus r je sais pas s'il y a un câble qui est débranché ou un truc, si tu peux regarder ça, mais tu voulais rajouter un truc, c'est bah, Wiggins, compliqué quoi, de le brancher. Ouais, il parle de Wiggins, bien entendu, ça aurait été la valeur marchande, mais au bout d'un moment, il est pas bon en ce moment, donc il a, il a perdu de sa valeur, et donc euh, compliqué, on sait qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie personnelle l'année dernière, et depuis, il est jamais vraiment revenu. Euh... Donc voilà, et, et, et vraiment, c'est... C'est horrible de dire ça, mais c'est trop dur de, de, de couper ce trio, je trouve. Qui va prendre la décision aujourd'hui de de dire « Ok, Clay Thompson, on ne garde pas ou on t'échange. » Tu T'imagines un peu avec euh, tout ce qu'ils ont fait il vivre. Il enfin enfin, ouais, est un train hein. cet contraster avec Clay Thompson. Toi, est-ce que, est que tu le ferais Qu'est-ce que tu en penses ouais, C'est tellement compliqué. Après, tout, tout ce qu'ils ont donné à cette franchise. Je de... pense que c'est le rôle de Mike Dunleavy cet été. Mais euh, si Clay Thompson n'accepte pas une baisse considérable de son salaire, je pense que c'est ce qui va arriver. Qu'ils qu vont le laisser filer. Tu euh, penses ah, bah, Moi, je pense, ah, là, aussi, moi euh, je pense que cette année, on y est. Et, enfin, ils enfin, ont bon, déjà donné alors, à Draymond Green. Ouais, ouais, ils ne peuvent ils pas ont, donner à tout le monde. Ils n'ont non, pas avec les ouais. Thompson, là, vu la saison qu'ils font. Puis il y a évident. des proprios aussi en haut qui veulent des résultats. puis en a marre de payer. Là. As ouais. vu le, avec la luxury tax qu'ils payent cette année, salaire plus luxury tax, ils payent 400 millions cette année, les Warriors. <laughs> c'est euh, 120 ou 140 millions, je ne sais plus, de plus que l'équipe numéro 2. C'est un délire. Bon, je ne veux pas verser ma larme pour eux. Hein. Je, non. <laughs> non, non, ils ont ce ouais, qu'il faut. Ont, mais bon, ce que mis, je mais veux dire, c'est qu'à un moment, les proprios, ils n'auront plus le de Je pense qu'ils vont se dire on arrive à la fin d'un cycle, on va arrêter de payer des luxury tax. Pour à peine ce qu'elle fait en, en play-in, play pardon. Ouais. Donc ouais, je, je pense que voilà, là, là vraiment sur cette fin de saison, on risque d'assister peut-être peu, peu à la à fin, fin d'une dynastie. Un peu dur cette fin de cycle pour les Warriors qui ne bougent donc pas pour l'instant à, à cette trade deadline. Deux infos à présent, les gars qui concernent Toronto et je pense qu'on peut lancer une petite trade d'alerte parce qu'on a une ah. nouvelle là-dessus. Mais rien de monumental, hein, rassurez-vous. Euh, C'est encore une fois des joueurs qui sont coupés, pas coupés. La première info, elle concerne Bruce Brown qui ne bougera pas de Toronto. Il va rester aux Raptors. Et la deuxième info qui, pour le coup, on est une vraiment qui va intéresser du monde, euh, le trade qui vient d'avoir lieu avec Dennis Schroeder et, et Brooklyn, euh, qui avait envoyé Spencer Dinwiddie à Toronto, les Raptors dans un move purement salarial pour économiser des bonus, c'est un peu compliqué, mais pour économiser de l'argent, ils vont wave, c'est-à-dire ils vont libérer de son contrat Spencer Dinwiddie. Et là, pour le coup, euh, Thomas, je pense que ça va intéresser du monde Spencer Dinwiddie. Hein. Ah, c'est pas mal ça. ça c'est vrai que ça peut. Je suis en train de réfléchir là en même temps parce que je l'avais pas vu venir. Du coup, je suis en train de réfléchir quelle équipe, en tout cas Contenders, bonne équipe. Là, je suis en train de penser à mmh. tout de suite Denver quand même. Je me dis, okay. euh, ils ont perdu Bruce Brown et Jeff Green, ils ont perdu un peu de matos euh, à l'aile. Euh, C'est moi, un joueur intéressant, capable de créer, de scorer, euh, deuxième arrière qui est euh, bon défenseur correct quand il a envie. En tout cas, euh, je suis en train de réfléchir en même temps. Euh, bah, forcément, je pense aux Lakers hein, aussi, Bien euh, sûr. qui pourrais... Bon, les, les Knicks se sont assez renforcés, là, je pense, sur les bases arrières. Euh... Ouais, alors, en tout cas, ils pourraient intéresser beaucoup d'équipes. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, toi, comme ça, bah, du coup, si tu penses à une équipe ou deux. Euh... C'est dur de voir, là, comme ça, tout de suite, mais c'est sûr qu'il va intéresser du monde. Là, je lisais les Insiders qui disaient qu'il qu va intéresser beaucoup de monde, et ouais, notamment, c'est Shams qui dit ça, il va intéresser several playoff teams, c'est-à-dire que plein d'équipes de playoff vont être intéressées par, euh, par Spencer Dinwiddie. Et on comprend, hein, on connaît l'apport de ce mec-là... Euh... Et puis en plus, il peut signer pour un minimum là, sur le reste de l'année. C'est ça, ça. Euh, ça qu'il faut comprendre. C est, c est... Euh, comprenez bien, les gars, quand les mecs se font libérer de leur contrat comme ça, ils se font payer. C'est-à-dire que derrière, ils s'en foutent, ils signent au minimum vétéran. Euh, selon leur âge, bah, lui, c'est peut-être 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 4, j'en sais rien. Et, 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 et là, ça intéresse les équipes ouais. parce que même quand vous êtes au-dessus du salarié cap, un salaire minimum, vous avez toujours le droit d'en signer. Toujours. Donc, ah, euh, les, typiquement, les jeux, ils ne le feront pas, mais les Warriors, s'ils voulaient, ils pourraient le signer. Euh, alors ah, aux, six, sont... aux, aux Sixers ouais, Aux Sixers, ouais. pourquoi pas. En complément un peu à la, parce qu'on sait qu'il est capable quand même de jouer meneur, mais en complément de Maxi, parce que là, ils ont été délestés de Pat Beverly. Cameron Payne, c'est quand même les montagnes russes, ouais, ouais, à part ouais. son run de playoff avec les Suns laisser renforcer bon, avec final, ça pourquoi pas je on en parle d'Orlando pourquoi euh... pas pour Spencer Dinwiddie dans euh, le, le c'est vrai qu'ils ont besoin de euh, s'ils veulent faire un run aussi de playoff why note aller ajouter un petit peu d'expérience donc voilà c'est une info importante ça Spencer Dinwiddie qui arrive sur le marché en tant que free agent euh, ça peut être ça peut être une super oui, affaire Minnesota. pour parler d'équipe Minnesota, pourquoi pas C'est super intéressant, Minnesota. T'as raison aussi. Euh, à surveiller cette histoire de, de Spencer Dinwiddie. Deux trois petites infos. On a passé la deadline 21h30 ouais. désormais, euh, mais vous savez que les infos peuvent parfois mettre du temps à remonter, donc on garde deux minutes l'antenne encore pour être sûr qu'on rate rien. Euh, première info concernant Chicago qui garde André Drummond et Chicago qui d'ailleurs n'aura pas bougé de cette très deadline finalement. On parlait de Demar Derozan, bien sûr Zach Lavine qui est blessé. Euh, on reste tel quel. Euh, on conserve tout le bordel à Chicago. Là. Alors à Chicago, ça reste un sacré mystère hein, parce que bon, on voit que ça ne fonctionne pas. Ils avaient tenté de faire ce, ce trio. Vous savez, des rosanne euh, voilà, Lavin. Voilà, qui est souvent blessé. Ça fait un moment qu'il est dans les rumeurs de transfert. Bah, je pensais qu'ils allaient partir quand même sur une reconstruction avec des tours de draft et, et des jeunes. Alors euh, est-ce qu'ils ont eu Ils n'ont pas eu des je pense propositions Ils n'ont pas eu les offres qu'ils voulaient. Ouais, ouais. Voilà, ils se disent qu'ils vont finir l'année comme ça et voir cet été euh, le chamboulement, surtout avec. Euh, L'émergence de Kobe White à la main qui, qui, qui mine de rien, pour être un profil intéressant pour les années à venir. Mais surprenant qu'ils aient fait zéro move. Je pense qu'ils vont attendre l'été prochain, essayer de finir en play-in là, histoire de voir. Mais... C'est un beau pétrin quand même cette équipe. Là, bah, en ouais ce cette équipe, c est, c est, on a du mal à voir un peu où ils veulent aller. Et pareil, c'est un, un peu un échec. Ça fait mal au cœur parce que cette équipe, moi je l'aimais bien. Quand elle s'est montée, je l'aimais bien. Et depuis que Lonzo Ball s'est blessé, tout est parti en cacahuète j'ai ah, l'impression. C'est vrai je oublié lui. Et eh bah ben ouais, ouais. Ça, ça a quand même changé beaucoup, ouais, de, ça chose, a changé beaucoup de choses, évidemment. Et j'ai l'impression que ça a été le déclic de, de la bascule vers n'importe quoi, en fait. Et cette équipe qui était sexy sur le papier, euh, Lavigne, de Derosa, euh, Sexy, c'est pas très complémentaire, moi j'ai jamais ah, été non. très convaincu. De... J'ai l'impression que pas grand monde est complémentaire de Zach Lavigne, en réalité c'est un peu ça ouais. le problème. Euh, le Vouch, moi je l'adore, c'est mon pote en plus, mais c'est vrai qu'en défense c'est toujours un souci. Euh, bon, il y a quand même des... Deux, trois trucs à redire là-dedans. Eh ben bah écoutez, 21h presque 5, on arrive au bout du truc. Je pense que là, sauf immense surprise, on ne devrait plus avoir de très grosses surprises. Il y a des petits trades qui se font à la marge. Là, je peux vous dire que les Warriors viennent d'envoyer par exemple Corey Joseph aux Pacers. Euh, des, voilà, des trades de ce genre-là. Ça, je vous annonce que c'est un move pour limiter le salaire côté Warriors et limiter la, la taxe, la luxurie taxe là, que payent les, les propriétaires. Erwan, à New York, du coup, on n'a pas eu d'énormes trades ce soir, mais on a eu des moves hein, au final, quand même. Euh, ce qui s'est passé à New York avec Evan qui part à Détroit, ce qui s'est passé à Dallas qui augmente euh, le niveau dans la raquette, euh, Gordon Hayward qui part à OKC On a eu 2 trois moves, Erwan hein ouais on a eu des moves. On a eu des moves intéressants. On a eu des mouvements intéressants. Tu viens de des résumés. Euh, New York a, a bougé. New York a, a progressé, tout comme Dallas. Euh, et euh, et j'aime bien aussi vraiment. On en a parlé un petit peu il y a, en début d'émission, mais moi, ce que Oksy si, de, de, de Gordon Hayward, je trouve ça très intéressant d'avoir un, un, un profil comme ça. Donc voilà. Pour moi, les, les grands gagnants de la soirée, ça reste quand même Dallas et, euh, et New York, je trouve, parce qu'ils parce qu font vraiment progresser leurs équipes sur des, sur des choses importantes. Dallas sur le secteur intérieur qui est toujours important quand même quand tu vas aller loin en pleurs et les Knicks sur, sur, la profondeur de, et la qualité de leur bande, ce qui est aussi toujours très important quand tu vas aller loin en pleurs. Donc voilà, ces équipes-là ont, on, se on, par leur, par leur mouvement, montrer leurs ambitions pour la deuxième partie de saison. Et c'est la meilleure, en plus, à suivre. Donc voilà, c'est, tout ça est, est très intéressant. Je suis en revanche assez déçu de voir, euh, il y avait Caruso qui était sur des, euh, sur des petites rumeurs de transfert. J'aurais, j'aurais adoré voir notre Caruso débouler dans une équipe euh, qui a, avec d'autres ambitions que les Bulls. Bon, il reste, les Bulls ont décidé de, 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 ne pas bouger. Voilà, ça arrive. Et je suis encore une fois extrêmement déçu de la part des Warriors. à dire qu'ils n'ont pas bougé. Si, s'ils si, ont bougé. Tu vas nous dire, ils ont récoré Joseph à Indiana. Je ne sais pas ce qu'attendent les Warriors. C'est peut-être une, une petite mort pour eux. C'est dommage quand tu as, des, des, as, as le plus grand shooter de toute l'histoire, encore dans son prime, et qui est un joueur extraordinaire, bah de se laisser mourir comme ça. Bon, voilà. Après, c'est des choix sentimentaux, des choix peut-être financiers aussi. Voilà. Bon, je, suis, je, suis, je suis très déçu de, de, de ce que font les, les Warriors dans, dans euh, tactiquement, dans, le, dans, dans, dans la manière de, de, de gérer leur effectif, de, de leur coaching. Mais écoute, voilà. Tu sais qu'on n'aime pas quand t'es déçu, on va pas te laisser comme ça. Dis-nous que t'es heureux pour Ténix quand même je suis, heureux, je suis très heureux pour Ménix parce que je vais les voir ce soir face à, face à Dallas, même s'il risque de prendre une petite doudoune parce qu'il y a pas mal de blessés. Mais attention, mon David est très en forme. Non, non, mais je suis, je suis très excité pour Ménix. Pour, 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 pour vraiment, je pense que qu je te dis, et je, pour moi, j'inclus un inoubli là-dedans parce qu'il est là que depuis quelques semaines. Mais là, vraiment, en un mois, sur le début de saison, sur les résultats sportifs et sur les mouvements qui ont été faits, je trouve que ces Knicks là se sont donnés les moyens de pouvoir de pouvoir rêver voilà en premier mot donc maintenant on sait qu'en ça peut se jouer des fois ce sont pas grand chose mais je trouve que les Knicks je l'ai dit les Celtics sont l'équipe la plus stable de la conférence est derrière Milwaukee il y a avait beaucoup d'interrogations les Sixers il y a beaucoup d'interrogations Et Miami il y a beaucoup d'interrogations même si certains fantasmes sont le fait que ils attendent les playoffs. Moi, ça, j'y crois pas. Euh, on n'attend pas les playoffs pendant 82 matchs. Hein, au bout d'un moment, donc moi, je pense que New York aura une vraie carte à jouer, donc euh, se donner les moyens et, et pourquoi pas euh, retrouver une finale de conférence. Je crois que c'est plus arrivé depuis euh, l'année où ils vont en, en finale de c'est en 99. Ouais, exactement pour les Knicks. Bon, en tout cas, merci Arwan, c'est un plaisir de t'avoir euh, avec nous en live depuis New York. Tu fais un bisou à toute la team là, euh, Thomas, Tom, euh, Polo, euh, tout le monde et, et régalez-vous les copains là. Ouais, apparemment j'étais pas sur le bon, j étais, j étais pas sur le bon micro à la fin, mais écoute si moi j'avais entendu c'est l'essentiel. Bravo messieurs, vous avez été, vous avez été grands, c'est un bonheur de passer ces deux heures avec vous. Je vous embrasse, j'ai hâte de vous de vous voir et, et, et Thomas Larouque, je vais je vais pas t'oublier, t'inquiète, tu auras ton slip des Los Angeles Clippers. C'est <laughs> si, parfait, tout ce que j'attendais. Voilà, et puis nos viewers le rappellent, le grand gagné de la soirée, c'est Thomas. Tu as donc gagné cette soirée de la trade deadline. Félicitations Thomas pour moi ta grande première. Bah, J'imagine qu'on parle de toi, j'espère. <laughs> <laughs> Sinon, je me trompe de Thomas. <laughs> Peut-être Thomas Dufour, j'en sais rien. Mais euh, voilà, bravo en tout cas, bienvenue dans la, la team clutch du coup pour ta première. bien ouais. passé T'as kiffé C'était passé super vite, un super moment. J'attendais la, la bombe de dernière minute qui n'est pas arrivée, mais non. en tout cas, c'était une super soirée et voilà, bon, hâte de voir la suite. Avec surtout là, j'ai Spencer de Woody depuis tout à l'heure dans la tête. Je suis en train ouais. de me l'imaginer quelque part, mais en tout cas, je pense que moi, je suis content pour ma petite équipe de Dallas, enfin qui a, qui a upgradé le truc. Ouais. Eh ben c'est bien, merci Thomas en tout cas ah, d'avoir fait toi. le taf à mes côtés. Euh, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis comme euh, chaque année depuis trois ans maintenant sur Clutch et Wina pour, euh, pour cette trade deadline. Je voulais dire merci à Numa qui nous a animé un peu le truc avec tous les tableaux à préparer en, en, en urgence, les, les transferts qui arrivaient vite. Donc merci les copains en régie également, vous avez, vous avez déchiré. Clutch reviendra mercredi prochain, euh, même s'il n'y a pas de match le mercredi soir, puisqu'on sera sur le All-Star Break, il y aura plein de choses à raconter. Thomas et Erwan seront là. On va inverser nos positions puisque c'est moi qui serai aux états Unis cette fois pour le All Star Game et puis Thomas on va se démerder pour que tu reviennes nous voir un de ces jours quand même. Bah ouais avec plaisir avec hein grand plaisir j'ai passé un super moment moi je suis disponible. Hein, pour et, bah, et bah et on s'en souviendra merci à toi en tout cas la team je vous fais des gros bisous Erwan là-bas à New York régalez-vous les copains et on se retrouve mercredi prochain dans clutch salut tout le monde. Allez, salut à tous.